Bienvenue à l'émission Tendez à quoi céder. Tendez à quoi céder. Tendez à quoi céder, c'est une émission qui vient pour vous toute information sur ce qu'on a bien besoin ou est, sur ce qu'on a besoin. Tendez, gain bagay ou tendez, pour pas ouais, gain bagay ou est, pour pas tendez, gain bagay là ou tendez, ou aller chercher où elle n'est pas existé, gain bagay là ou elle ou pas comprendre, ça a besoin pour tendez pour qu'elle comprenne. Tendez à quoi céder sur l'émission que l'Église de Jésus-Christ pour le Gospel présentée au grand public avec votre serviteur, le Reverend Jean-Paul Dabeus, accompagné de leur panel de beaucoup de serviteurs. Tendez à quoi céder. Tendez à quoi céder. À souhaiter bienvenue tous les soirs, dimanche et jeudi excepté. Bienvenue à Tendez à quoi céder. Bienvenue. Tendez à quoi céder. C'est émission ça qui entre la KO. On dit bienvenue à tous nos amis, auditeurs, téléspectateurs de la radio Téléphone Gospel. Bienvenue à tous nos internautes, tous ceux-là qui nous écoutent ou qui nous regardent par le biais de la 4BJP, www.radiotelephonegospel.com. Tous ceux-là qui nous écoutent aussi par radio 4BJP.com. N'a dit bonsoir et bienvenue à cette émission. Nous connaissons là où nous, ça fait nous presser sous tête là pour nous être là ensemble avec vous. Nous allons passer quelques bonnes heures ensemble et puis nous allons parler de la parole de Dieu. Pas oublier, n'a pas quitté un petit temps pour vous pour poser nous certaines questions dans sa nabdi. Surtout, dans sa nous dit, prends bonne note pour nous cap sous même longueur d'onde. Dans sa nabdi, ou chercher pour poser nos questions pour la compréhension, de façon que nous toutes nous cap marcher ensemble. Je dis à chers amis, nous arrivons dans une zone, dans une limite côté, nous n'est pas capable de jouer encore parce que tout signe qui t'a doué marquer la fin des temps, yo, eh bien, presque tout le temps sur scène là, n'a pas gardé et puis n'a pas vu que il y a des signes qui viennent là, il y a des événements qui viennent sur scène mondiale là, n'a pas dit des déclarations qui fait sur scène mondiale là, eh bien, ça fait nous comprendre que nous pas non débutants encore, nous pas non milieu temps, mais nous sommes à la fin des temps. La fin des temps, c'est le moment pour que tout le monde qui vivant chercher à mettre plus perfection dans la vie, ça que tu gagnes déjà, ou bien ça que pas encore gagné du tout, pour chercher à commencer à réunir les lettres qui forment la perfection, commencer par gagner un P, un E, un R, etc. C'est pour qu'on finisse gagner toute perfection net, mais pour commencer par gagner parfait, hein, de façon que nous capables de faire route ensemble. On réalise que jeudi, à tout dans le dernier fin de ça, eh bien, gagner, on laisse grainer, gagner, on apostasie, si vous voulez, qui tombe dans l'église, et puis tout le monde qui a parlé de bon Dieu, c'est vous et vous et monter, vous dit ça ou voulez, tout le monde dit ça au hôpital. Moun qui prend l'église même, yo tant coup des moun qui yo tire bon danger. Dans l'église là, yo dit yo voum, yo dit voum, yo dit do, yo dit do. Et puis après ça, tout le monde, il est beau, il est gentil, et puis tout le monde a cheminé. Le pire de tout ça, c'est que nous voyons le ciel là pour le temps, pour l'éternité. Bon, il y a un sujet que nous pas jamais entendu l'Église parler de lui. C'est pas un seul sujet, naturellement, parce que tout sujet qui fait l'objet de salut, la pratique de la vérité qui t'a pour mener moun dans la vie éternelle là, eh bien, nous suivre, nous écouter, nous poser des questions, nous sentir, nous palper, nous manier, nous toucher, nous pas ouais, parler de sujet ça. Alors, il y a un sujet que nous avons commencé à parler de lui dans le débat public du jeudi soir. Mais à ce moment nous avons envie de faire devenir un sujet brûlant. N'entendez à quoi céder parce que, comme au cas où est lui, nous passons vitesse supérieure là, on prend, nous avons couru à 150 000 à l'heure, t'as comme ça, aiguille a penché sous des sangs, pas baiser paix. Eh bien, Seigneur, il est au volant, et puis, bon route, mauvais route, nous pour aller.
grâce à Dieu, nous avons une bonne machine, sauf volonté, bon Dieu. Moi, mes pères, nous avons quatre caoutchoucs increvables. Et puis, pour blinder à même, c'est depuis dans le pare-brise là, de un pare-brise en l'autre pare-brise, ben, nous blindons en avant comme en arrière. Alors, nous sortis là pour foncer tête baissée dans le danger, dans le malheur, ou à terre, pour que nous soyons capables de retirer l'épingle dans la jouette là, pour que nous soyons capables pas, même gens avec tout l'autre monde qui pourrait dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas. Et pour on a dit Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons, guéri des malades, ben, ou chiré. Nous besoin compter parmi les gens que le Seigneur va dire, venez vous qui êtes bénis de mon Père, pour les possessions du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors, en parlant du royaume de Dieu, la terre entière, je dis, a, pas qu'on dit qu'un royaume qui a venu, mais yo prend le ciel là pour le temps et pour l'éternité. Mais, pour nous arriver soit dans le ciel ou dans le royaume, on va faire pour nous faire. Il faut nous poser des questions. Hein. D'abord, avant, il faut nous ressusciter. Alors, nous allons parler un petit peu de résurrection. Comme ça, on a tout fait chemin ensemble. Entre tendre à coïncider et puis avec débat public, là, nous n'avons pas gagner trois grosses différences. On va écouter nous les jeux du tout, c'est pas toujours le même sujet. Hein. Et puis, le public qui va venir, on va avoir des choses pour nous poser une série de questions. Qui n'ont pas quelque chose pour vous poser sous téléphone, comme ça, au même tour, vous êtes capable de venir pour assister, et puis, si vous ne voulez pas rater grand chose, pour poser certaines questions. Nous allons même parler de résurrection, d'une manière générale, comme si nous ne pouvons pas dire rien du tout, nous pouvons commencer à zéro. Mais avant de parler de résurrection, il faut nous parler de ce qui vient avant la résurrection. Dès que vous parlez de résurrection, tout le monde est en mort. Naturellement, dans l'église, nous il n'y a pas parlé ni de la mort, ni de résurrection. Seulement, c'est celle occasion, les grands mouns qui mourent. Et puis, nous tendons, nous écoutons pasteur, nous écoutons prêtre, nous écoutons père, nous écoutons évêque, nous écoutons apôtre. On dit, bon, tout le monde unanime à dire que madame ça ou monsieur ça couché dans ce cas-là, eh bien, c'est un bon chrétien, il était là à l'église. Même si l'église n'a pas connu rien de monde, non. Ce discours a toujours gagné, monsieur ça, madame ça, c'était un bon chrétien, durant la vie, etc. Eh bien, il est déjà dans les bras du Seigneur. Est-ce que c'est vrai, là où on mourit, il est allé dans les bras du Seigneur? C'est ça, on a étudié comme question, non, question résurrection. Est-ce que là où on mourit, il est allé dans les bras du Seigneur? Mais avant d'arriver dans la question ça, nous pourrons poser une autre question. Côté la mort sorti. Connais-nous même nous là, pas pour vous remonter, mais rationnellement, pour nous poser des questions et joindre des éléments de réponse de façon que formation est capable correcte, capable complète. D'autant plus que nous connaissons, en pile dans nous, retapons là, qui formation nous pourrons bailler encore. Et puis, où est-ce que nous avons bailler là, c'est bon bagage lié. Comme ça, nous pas capable jouer. Fait nous attaquer gros sujet, yo. Qui pas bien chita dans l'église, la caille pasteur, prédicateur, évêque, dans missionnaire, évangéliste, le pape, monseigneur, etc., toute qualité. C'est à ça qu'on a attaqué nous pour que finalement, capable de bajou casser pour le peuple haïtien. Côté l'homme mort sauté. Parce que question ça, beaucoup de gens m'entendent dire vrai, on va être sérieux sur lui. Sauté dans nos bagages et dans la bouche, nous entendons là. Alors, à ce moment-là, nous pouvons attaquer le sujet ça. Est-ce que le monde mourit, c'est dans le ciel, l'aller? Qui côté l'aller, le monde mourit? Est-ce qu'il est dans le ciel, dans le nirvana? Est-ce qu'il est dans l'enfer, dans le purgatoire? Est-ce que, qui côté le fait? Mais, d'abord, avant de nous dire côté monde en fait, nous pouvons faire un tir aller sous la mort. Phénomène ça, qui arrive chaque jour dans le monde, dans chaque fil, dans chaque bouc, dans chaque quartier, dans chaque zone dans le monde, eh bien, il y a des centaines et des milliers de monde qui passaient de vie à trépas tous les jours. Alors, on a posé question, suivez ensemble avec nous. Côté la mort sorti. Le cas très difficile pour le monde accepter ça, nous pral dit là, mais c'est la vérité. Et puisque vous n'avez pas d'autre alternative,
accepter ça là juste à second l'autre parce que personne va jamais dire nous contre la mort sortie vraiment contre la mort sortie comment nous fait mourir eh bien la mort les survenir à un moment côté personne pas ta patronne ni les survenir dans des circonstances côté personne pas capable vraiment fin dit qui s'allier comment ça peut arriver et là nous poser question sur la mort eh bien moun nous t'a qu'à poser question vraiment c'est l'Éternel des armées nous te lis un texte également côté l'Éternel dit moi fais moun vivre et moi fais moun mourir alors est-ce que tout le monde qui a mouru, c'est l'Éternel qui veut mourir? Est-ce que l'Éternel t'a créé nous sur la terre pour nous t'a mourir après ça? D'où vient-il que Gombaga ait créé l'amour sur la terre? Et c'est quelque chose que tout le monde redoute. Tout le monde redoute la mort. Tout le monde vient résigner avec la mort parce qu'il dit son fatalité. Par contre, ça pour nous dire, les nouvelles amours, depuis nous lever, nous venons là, et puis, il est toujours à poter mon aller, il prend maman nous, il prend papa nous, il prend frère nous, il prend soeur nous, il prend ma tante nous, il prend tonton nous, il prend neveu nous, il prend marraine nous avec parraine nous, il prend moun qui proche nous, il prend mari nous, il prend madame nous, il prend tout le monde pour nous, et puis il pote l'aller, l'aile te quitte nous là, il prend encore prendre nous pour un bonjour, la passe mais la prate après nous tout, il prend l'ensemble avec nous. Nous, c'est l'autre monde qui déplume net, qui n'a pas une famille chrétienne. Et puis après son bonjour, l'amour n'a pas pitié, il vient là, il est allé avec lui. L'amour, pour commencer, c'est un spectre. C'est une puissance que personne n'a pas ouais. Nous seulement, où elle est passée. Elle est passée, elle est frappée, et puis nous voyons que encore sans vie qui était là, qui a regardé. Et puis nous voyons monde qui est désolé, monde qui a crié, monde qui a maudit bon Dieu. Mon cap questionné tête yo, mon cap tombé dans désespoir, etc. Mais, nous pas jamais poser question ça, côté l'homme sauté. Qui est-ce qui créé l'homme? Pour qui ça, mon qui te créé là, créé là? Naturellement, nous sommes li yon texte dernièrement, qui toujours là, m'passe dans l'esprit ou parce que wap kembe tout ça nous dit dans l'esprit ou. Dans Jean chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Est-ce que c'est la parole tout qui crée l'amour? C'est la parole qui crée l'amour. Pour qui ça? Puisque l'amour a, il est toujours bien traqué. L'amour n'a pas jamais porté la joie dans que personne moune. Est-ce que c'est la parole qui crée l'amour? Bon, nous pas ta besoin trop loin pour nous. Répondre à une question ça parce que l'Éternel dit comme ça moi fais mourir et moi fais vivre et c'est moi seul qui l'Éternel. Alors, n'a pas comprendre que tout ça nous parle dit là a pas intéressé parce que ou même qu'a coûté là ou a mourir. Excusez-moi. On m'a dit chan ba ou non ou déjà qu'on a gain pour mourir. Bien que personne pas veut mourir mais tout monde mourit. Grenègue mourit, malheureux mourit, gros chef mourit, civil mourit, militaire mourit, président mourit, maréchal mourit, gouverneur mourit, pape mourit, cardinal mourit, monseigneur mourit, pasteur mourit, évêque mourit, fidèle mourit, pauvre mourit, riche mourit, tout le monde net mourit. Bon, alors, ça n'a pas dit de l'homme à la à Suéa, cap intéressant. Qui ça n'a pas dit? Tout ça n'a dit là, parce qu'on connaît ça déjà. Mais ça, pas qu'on y a, il nous le dit. Eh bien, la mort, malgré tout nom au Bali, toute qualification au Bali déjà, eh bien, la mort, c'est un outil. Hein? La mort, moi, dit, notez bien son abdia, de façon à poser question pour qu'elle pose le bien. La mort, c'est un outil. Que bon Dieu crée. Pas oublier nous samedi, pour qu'à poser question suivante, ça nous dit. La mort, c'est un outil que bon Dieu crée, que bon Dieu pas créé, lorsque l'esprit
verset 3, dans Jean chapitre 1er, tu es là. L'Esprit, Jean chapitre 1er, verset 3, qui dit, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, eh bien, c'est le Seigneur n'a pas créé la mort. Il y a deux bagailles que bon Dieu n'a pas créé, ni au commencement, ni à la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon Dieu n'a pas créé la mort, ni bon Dieu n'a pas créé piquant. Bon Dieu n'a pas créé ronce avec épine. Bon Dieu n'a pas créé bagaille ça parce qu'il n'y a pas nécessaire, il n'y a pas important. La mort n'a pas important parce que bon Dieu t'a créé les hommes avec la pensée de l'éternité. Il n'a pas créé la mort. Mais bon Dieu t'a créé la vie. Texte a dit non, en elle était la vie, la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de lire le texte, songez comment il dit. C'est Jean chapitre 1er qui dit non, en elle, mais la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mais il se trouve que bon Dieu, l'a fait les cieux et la terre, il était créé la terre. Avec des créatures que nous pas gagné aujourd'hui, hein, parce que le déluge de Noé, il était allé avec un pile de créatures, ça y est, et puis, au fil du temps, il y a un pile là-dedans qui détruit. Un pile là-dedans qui pas existé encore. Un pile de créatures, ça y est, tout, c'est détruit avec une catastrophe qui t'est arrivée sur la terre. Catastrophe ça qui est arrivé sur la terre, eh bien, personne ne peut jamais connaître si bon Dieu ne t'a révélé le baou, parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans l'éternité passée. Nous pensons que nous ne pouvons nuire personne avec l'expression éternité passée. Hein? C'est hier au soir, nous avons expliqué ça, que nos amis ont demandé nous pour expliquer ça est l'éternité passé. Comment l'éternité fait passer? Mais nous t'expliquons comme ça, nous dit l'éternité reste l'éternité, mais tu as vu un problème, et puis, bon Dieu, stopper l'éternité pour faire intercaler le temps dans le temps de l'éternité, et temps, d'un côté le commencer, d'un côté le fini. Et maintenant, le bon Dieu va finir faire réparation de la rien pour le faire, c'est laisser ça. Il t'a collé deux bouts d'éternité pour qu'il n'y ait une seule éternité. D'autant plus que le texte là même, nous avons un texte hier soir qui dit non, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Nous passons au songer texte là que nous te baillons hier soir. Amen. Pour qui ça? Côté l'amour sorti, puisque nous dit bon Dieu, pas de créer, il t'a créé les cieux et la terre. Dans la création des cieux et de la terre, Dieu a créé les cieux avec toute créature que nous connaissons qui vient dans le ciel, sans compter ça nous pour connaître, parce que c'est dans la Bible seulement nous lions, avec la terre qui te gagne des créatures tout sous lit, et puis créatures ça yo, ta vivre sous la terre, et te gagne d'autres créatures qui ta vivent dans le ciel là. Parmi les créatures de la terre, il y avait un bel ange. Un bel ange, noni c'est Lucifer. Du latin, Luciferé. Ça veut dire porte-lumière. Non, ça, c'est voli la lumière qui éclaire la terre. Porte-lumière. Celui qui éclaire la terre. À l'origine, on a parlé là, au début, pas de la lune, pas de soleil, pas de étoiles. La terre, c'est seulement gagné sous lui-même des lumières avec un gros porte-lumière. Là, nous dit des lumières. Lumière, ça, c'était des anges, nous
pas capable de faire trop gros description de yo, mais nous tendons à faire action sur la terre, je dis, hein, parce que yo, tout est venu déchu. Comment ça? Lucifer, qui était le gardien de la terre dans l'éternité passée, en attendant que bon Dieu mette l'homme sur la terre, eh bien, Lucifer te gagné sous contrôle lui des anges et de grands anges. Et Lucifer te gagné commande sous la terre, eh bien, bon Dieu te placé sur la terre comme une porte-lumière. Mais nous prenons le début des gaillots, c'est là nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, nous lisons le verset 2 qui dit nous, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Les nous venons le verset ça, à un moment de la durée, nous venons sentir que y a un mystère là, qui est caché, parce que nous dit comment y a un Dieu qui habitait en lumière inaccessible, fait capable de créer la terre, et puis pour la terre, vine dans les ténèbres. Nous continuons à étudier. Nous voyons toute bagaille, bon Dieu, créée sous la terre après la reformation de la terre. Nous n'avons pas encore connu pour nous dire la reformation de la terre. Nous voyons chaque gain en forme. C'est à partir de là, nous voyons une forme ronde, une forme trapèze, une forme ovale, une forme losange, une forme carré, triangle, etc. Sans compter toutes les formes que nous avons. Par exemple, il y a Zaboka, il y a plusieurs types de Zaboka, avec chaque goût différent, et il y a plusieurs formes dans Zaboka. Mais nous avons des mangos même, qui ont diversité dans la forme mango, dans le goût mango, etc. Mais nous avons des graines pois, nous avons des graines maïs, nous avons des disons généralement, tout fruit qui est sous la terre. Chaque forme paille, même lorsque tu apprends un fruit comme mango par exemple, avec un peu de variété de mangue, et puis chaque variété a une forme différente, chaque a un goût. Quand y a un questionné nous pour nous dire, mais comment se fait-il que Dieu a créé les choses avec toute forme ça, yo? Et puis pour dire la tête est en forme, il dit, mais non, pas possible. Ah, nous continuons plus loin, dans le questionnement, non? On peut étudier, nous joignons, la terre pas seulement informe, mais la terre était vide. On dit, ah, ça c'est l'autre problème encore. On a cherché, comment se fait-il que bon Dieu, je dis à nous, tout ça bon Dieu qui est sur la terre, il était, il a gagné, il y a un bagage qui remplit. Il y a chaque un bagage là-dedans. Les enfants n'ont grain de pois, nous joignent les pas vides. Les enfants n'ont avocat, les pas vides. Les nous couper en cocoyer, les pas vides. Les nous ouvrir en lame véritable, les pas vides. Les nous ouvrir en pomme, les nous ouvrir en mandarine, les nous ouvrir en orange, les pas vides. Nous ouvrir en yam, les pas vides. Pas grand rien que vide sur la terre. Ah, nous joignent en zeb. Il y aurait le zèbre quelque part, il y aurait un peu l'autre nom scientifique, mais nous aurions communément bambou, roseau, nous dit ah, ça a été vide. Mais oh, oh, la science paraît propre, il dit non, 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 il n'est pas vide, non, il n'est pas vide. Parce que là, nous, si il y a bambou, nous avons un bruit qu'il fait, eh bien, c'est de l'air qui a échappé en dans chaque tronc qui vient dans bambou. Ah, ça va bon, pas grand-chose de vide du tout. Mais comment se fait-il que la terre est informe et vide avec des ténèbres sur sa surface? Eh bien, nous questionnons les librairies, nous questionnons les gens qui étaient là longtemps, nous questionnons les livres, nous cherchons dans toute la Bible et puis nous pas qu'à joindre. Eh bien, ça sont révélations que bon Dieu lui baille aux gens directement sinon pas bien. Voilà quelle a été la réponse de l'Éternel à nous poser la question ça. Eh bien, il dit non, c'est parce que c'est une catastrophe qui est arrivée sur la terre avec un bel ange qu'elle t'a créé. Alors là, vous pas obligé de croire, ou bien vous apprêtez sans rien du tout. C'est un bel ange qui était sur la terre, qui était responsable pour la terre, vous avez Lucifer. Et Lucifer a l'attitude pour te monter descendre dans le ciel
aller au rapport devant l'Éternel, aller dans des réunions. Il te gagne de grands chefs qui te qu'on accompagnait lui. Et puis il te qu'on monter dans le ciel. La montée dans le ciel, montée dans le ciel, montée dans le ciel, l'aile arrivée en l'air, il est toujours à regarder le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est une plateforme. Donc, il y a un stage. Il a regardé le troisième ciel, et puis bon Dieu chita en l'air sous le troisième ciel, ça, dans le troisième ciel là. Le troisième ciel, c'est Dieu tout comme. Maintenant, Lucifer a regardé pour lui toute la multitude d'anges, d'archanges, de chérubins, de séraphins qui ont baillé bon Dieu louange. Il a toujours regardé ça. Et puis lui-même, les livres là, l'obligé d'en baillé bon Dieu louange tout à coup, toute l'autre créature, ça y est. Et un bonjour, Lucifer dit, mais moi-même, chef tout sur la terre, non? Vous paquet de anges ensemble avec moi, je fais ça me plaît. Je gagne des anges qui au service moi, qui joue musique pour moi, qui me louange tout, qui pense de bagaille. Mais l'homme bon Dieu dans le ciel, gagne Dieu là, même quand je figure. Son forme seulement moi. Pas oublier, la Bible dit non. Dieu est invisible et habite en lumière inaccessible. Mais plateforme côté bon Dieu Chita, les visibles, mon kawel, ou kawel la forme de Dieu, ou kawel, quelqu'un est assis sur le trône. Ça fait Bible montrer nous que mon qui connaît bon Dieu, que c'est dans vision ou j'ai là, il dit celui qui est assis sur le trône. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas ouais bien, il y a ouais quelque chose, mais il n'y a pas qu'à dire mais qui ça lié. Alors ça c'est surtout lorsque bon Dieu permet que le bon Dieu guérisse dans le ciel, la terre, les visions, ben il y a ouais bon Dieu, mais il n'y a pas qu'à faire ouais bon Dieu net, parce que faut que bon Dieu fait partir lumière que l'habite a pour mon carré présence li sous plateforme ça. Eh ben un bonjour Lucifer dit bêtise ça me balade. Toute la journée, je me monte en haut. Le malais, c'est pour me là, dans le louange, mais c'était en bas, etc. Et face à terre, bah, comme ça. Il dit, je compte ça me café. Je me monte en haut dans le ciel là. Plateforme ça me balade, je me prends la gâte moi-même. Parce que j'ai une puissance pour ça. Je prends la gâte. Puis ça, le bon Dieu, comme je me café. Ah ben, ça a tout fini, moi-même, je prends place là. Parce que moi-même, tout ange qui a eu. Et puis, je me semble avec elle, je me même bagaille avec elle. Et puis, pas de problème. Tout ange peut l'adorer, moi-même. Tout ange peut face à terre devant moi, parce que c'est moi qui suis chef qu'on y a dans le ciel là. Je suis chef ni dans le ciel, ni sur la terre. Lucifer vient. A fait projet ça, il commençait par faire projet ça, il commençait par parler de ça à des anges qui replacés, et les anges replacés commençaient à parler de projet Lucifer avec d'autres anges qui en bas, gros anges ça. Eh bien, projet a marché, marché, jusqu'à ce que, un jour arrivé, Lucifer a décidé pour mettre le projet en exécution. L'Éternel qui va jamais pressé par dit Lucifer, rien. Il prend Lucifer, en bonjour, il met Lucifer dans la balance, li, et puis il sonde Lucifer, et puis il joue un projet à vraiment dans Lucifer pour aller bon Dieu la gâter. On va voir dans toute Bible, non seulement Bible dit nous, que Dieu est lent à la colère, mais nous, elle a agi tout, surtout, elle a détruit ça, elle a fait, elle a crasé un monde, elle a crasé un pays, eh bien, elle est très lent dans l'exécution d'un projet comme ça. Dans la parole, elle dit ça. Elle dit, l'homme de un méchant pour mourir, ce n'est pas mourir, en plus. Et puis, nous, à côté, il dit, ma baille tel monde du temps pour le repentir. Bon Dieu prend 430 ans pour la détruire les Amoréens.
les Jébusiens, les Éviens, les Étiens, il prend 430 ans pour le détruire. 430 ans, il a fait un projet pour le détruire, mais il n'a pas couru détruire, parce qu'il dit, il n'y a pas qu'au péché, il réagit sans des limites là. Ouais, je me connais, il n'y a qu'à repentir, il n'y a qu'à changer. 430 ans passés, il vient plus méchant toujours. Bon Dieu dit, ok, c'est fini, bon, on va le détruire. Bon Dieu pas pressé. Bon Dieu a regardé Lucifer qui a monté, descendre, qui a fait projet, qui a parlé à gauche, parlé à droite. Eh bien, un bon jour, l'Éternel préparait pour contrecarrer avec Lucifer en conséquence. Bon Dieu dit, bon, ça me fait là. Monsieur Sam, t'es créé lui, je ne pas prévoir en rien qui te cas des tuiles. Je créé toute création nette pour la vie. Et voilà que je ne peux pas tolérer ce qui a passé à là. Je ne suis pas capable de tolérer aucun Dieu venir prendre place moi. Ni aucun Dieu venir gouverner ensemble avec moi parce que pas gagné. Et l'Éternel dit, faut que moi détruis bagay ça. Et bon Dieu baptisé révolte qui n'a qu'à Lucifer, il relève bah, ça iniquité. Retenez-nous bien. N'a répondu tout ça, sous ça, l'irrel iniquité. Il a bon Dieu fait une baptisé, bagay ça, qui n'a Lucifer, que lui-même, les pattes métiers n'a Lucifer, il baptisé l'iniquité. L'Éternel dit bon, iniquité a fait pour détruire. Ou après, une Bible a dit nous ça, iniquité a fait pour détruire. L'Éternel dit, à qui ça me détruit là? Il n'a pas créé aucun âme, aucun outil pour détruire l'iniquité. Amen. L'Éternel dit, bon, mais ça m'a fait, m'a créé un outil pour détruire. Et l'Éternel vient fabriquer un outil pour détruire l'iniquité, mais l'iniquité après le détruire à tout le monde qui gagne. Bon Dieu après le détruire en puissance qu'elle t'a créé. Alors il dit, pour me détruire, il faut me donner puissance. Il faut me donner une puissance qui peut détruire, une puissance qui peut faire passer. Et l'Éternel fabrique en puissance pour détruire Lucifer avec tout ce qu'il fait. Et bon Dieu, il est, j'aime ça, la mort. Ah, papa. On y a, deux bagailles que bon Dieu pas créé à partir de la création. C'était Lucifer, c'était la mort et l'iniquité. Iniquité, a, bon Dieu dit bon, il a poussé, on l'a dit qu'il a poussé, mais il n'a pas créé l'iniquité. Tout ça, bon Dieu pas créé, il relève l'iniquité. Et maintenant, bon Dieu dit, faut me détruire l'iniquité. Et puis, bon Dieu cherchait une âme, il fabriquait une âme qui pour détruire l'iniquité et relève l'âme ça, la mort. Nous te dit tout, que bien piquant avec ronce, épine que bon Dieu pas créé, eh bien, c'est pas difficile pour nous montrer ça, n'a pas été pour nous montrer ça, mais là, il y a dans Genèse, après la désobéissance d'Adam et d'Ève, l'Éternel dit, à cause de toi, la terre produira des ronces et des épines. L'Éternel, dès qu'il a fini, c'est pour la terre donner toute espèce de zèbre. Toutes espèces de zèbres, toutes espèces de légumes, et l'homme t'a gain pour le manger, zépina, coupier, panzou, lien panier, cresson, etc. Tout chou, laitue, carotte, etc. Tout bah, ça, bon Dieu, c'est que tu prévois pour bah, ça, pousser dans terre, pour l'homme t'a manger. Mais bon Dieu, pas de prévoir. Ronce, avec épine, et puis piquant. C'est pour fait l'homme songer qu'il était péché, que bon Dieu dit maintenant, à cause de toi, la terre produira des ronces et des épines. C'est longtemps après la création de la terre, juste après la désobéissance d'Adam et d'Ève, que l'Éternel dit, la terre produira des ronces et des épines à cause de toi. Alors, on a pris un petit coup de pied pour regarder le texte là. Oh, nous on entend la question, nous ne pouvons pas parler de tout, parler ça pour ne pas montrer rien. Nous allons voir la Genèse. Bien bonnet, l'Éternel pral mette ronce avec épine sur la terre. Genèse chapitre 3, verset 17. Verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17.
Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix, tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Eh bien, on ne peut pas manger là-dedans. On ne peut pas manger là-dedans. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit. Le sol, la terre sera maudite à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. On prend pile la peine, en pile douleur, en pile problème pour qu'à retirer ou manger la donne chaque jour pour manger. Il te produira des épines. Alors le sol te produira des épines et des ronces. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et on va manger zeb qui gagne en terre. Maintenant, au Capaboueli, l'Éternel est en dit, pour toute bagaille qui paraît, pied bois, manger, toute bagaille qui est en créé, puis c'est là, Adam avec Ève vient pécher, que l'Éternel dit à l'homme, à Adam surtout, puisque vous écoutez, voix madame, et pour manger dans pied bois, vous ne pouvez pas manger, eh bien, vous avez pour redit, vous avez pile la peine, pour manger ou pour manger. Et puis, ça qu'a pris vous même encore, terre qu'on peut cultiver va pousser ronces avec épines. C'est-à-dire, pendant le travail, ben zèbre ça va gagner pour piquer ou pour faire songer côté désobéissant. Alors, en partant, nous croyons que l'Éternel, quand il créa les cieux et la terre, quand au verset 3 de Jean chapitre 1er, il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, eh bien, bon Dieu n'a pas créé ni la mort, ni ronce, ni épine. Mais reste, on pourrait le créer plus tard. Mm-hmm. Par la parole de Dieu, on pourrait le créer, parce que l'Éternel parlait là pour le dire, le sol pour Dieu a des ronces et des épines, c'est la parole qui va le faire pousser. Mm-hmm. L'Éternel dit, c'est pour joindre nos outils qui pour détruire la mort. Rapidement, la parole fait un outil. Et puis, bon Dieu, les outils à la mort. Maintenant, bataille là, engagée. Lucifer, bon Dieu, paré dans le ciel là pour le faire en bataille. Lucifer, pral mette plan à exécution. Lucifer, levé un bon lait. Et puis, il monte dans le ciel là, fois ça, pour l'exécuter. Il va râler, bon Dieu frappe à terre, pour qu'il prenne place lui. Il dit, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la sainte montagne de Dieu, et je serai semblable au Très-Haut. Alors, le Lucifer finit de parole ça, il pique et monte, de pas avant monsieur arrivé, trône réagit. Trône réagit, et puis il pousse Lucifer tomber en bas, tant coup, yon ballon qu'on frappait à toute force ou non miraille, et puis ballon tourné vin joindre. Qu'on y a, Lucifer kilbité à toutes anges qui t'ai accompagné, qui t'a pral prend pouvoir en haut dans ciel, et puis Lucifer saute tomber sous la terre. Les Lucifer saute tomber sous la terre, se imaginez que passé. La terre qui était bien tranquille, la terre écrasée. Yon bouleverse le vaisseau la terre. Y a un côté qui fait trou dans la terre. Y a un côté qui fait monne. La terre vine dans position côté, eh bien, li pa gen forme que bon Dieu te bali à la création encore. La terre vine devenir quelque chose de laid, quelque chose d'hideux. La terre vient laide, la terre vient hideuse, eh bien, la terre perdit forme ni. C'est ça que fait, dans Genèse chapitre 2, nous dit la terre était informe. La terre vient vide, gounia, parce que l'ensemble des anges qui étaient au service de Lucifer sur la terre étaient tombés d'accord avec elle, avec projet de guerre. Hein? Et là, la terre vient craser, tout ça qui était sous la terre, comme meuble, comme bagaille qui était pour fleurir la terre, il a détruit ensemble avec
la terre crasée, ben, ça a détruit. Eh bien, Lucifer tombé sous la terre, il n'est pas qu'à redresser pour le prendre pied, pour le rester sous la terre, côté l'Éternel te met-il, l'obligé de passer descendre plus bas. Il a descendu plus bas, qui ça gagne plus bas que la terre? Plus bas que la terre gagne de l'eau, et ça, la Bible a dit non. Lucifer tombé plus bas que la terre dans les eaux, et comme Gloyo yote reposé sur une surface que les abîmes, eh bien, Lucifer tombé, il passe descendre dans de l'eau. Li descend pour plus bas, il tombe dans l'abîme, non? Eh bien, c'est comme ça, Lucifer tombé dans l'abîme, tombé dans la fosse. Bible a relé la fosse. Et puis, ce qu'on est passé, le Lucifer passé tombé, eh bien, de l'eau a passé monter. De l'eau qui dégaine en bas la terre, passé monter. Et comme Lucifer tombé dans l'abîme, t'es gain ténèbre, mais bon Dieu, t'es condamné ténèbre là, en dedans. Abîme, et puis abîme n'a ouvri pour Lucifer entrer, et puis ténèbres passé monter. C'est ça que fait la terre, tu viens gagner de l'eau avec ténèbres. Tu gagnes de l'eau avec ténèbres. Retenez ça bien, parce que nous ne pouvons pas l'expliquer ça, nous ne pouvons pas l'expliquer dans la Bible, comment fait-il gagner de l'eau avec ténèbres sur toute la surface de la terre. C'est parce que Lucifer est tombé dans de l'eau. De l'eau a jailli. Lucifer est tombé sur la terre. La terre fond. Lucifer est entré. Il est tombé dans de l'eau. L'élevé dans de l'eau. De l'eau a passé monter. Lucifer a passé descendre toujours. Eh bien, ténèbres qui étaient dans l'abîme n'a passé sorti. Lucifer ainsi te précipité dans la fosse. On connaît un peu le bail d'eau là, on a pris un morceau de musique et puis on a tourné.
créé l'homme. Tendez à quoi ces deux, ou même qui branché à ce encore, qui en pile bagaille ou cap comprendre. Effectivement, c'est des sujets que vous pas attendez, ou pas attendez au vrai, ou même qui l'église, ça fait longtemps, ou même qui a enseigné, ou son grand pasteur, son grand bishop. Mais à ce encore, nous espérons que vous bien chita pour tendez. Et pour ouais, parce que y a des bagailles là pour apprendre, des bagailles pour comprendre. Côté l'amour sorti, son question, on t'a fait longtemps à poser, et pour pas une réponse à question ça. Mais à soya, on avait espéré pour bien chita encore l'autre fois, j'en qu'on a habitué à faire dans tout l'autre sujet, pour tendre et puis pour ouais, qui ça cap dit, parce que l'amour est son phénomène, son spectre qui environne nous toutes. Et ou gade ou zanmi ale, fami ale, maman ale, et puis ou même kap gade la tout. Involontairement, sans pas gagner ou kap fait pour ça, sans aucune puissance, ou ap lever au matin, et puis ou même tout pralé. Alors merci déjà parce que vous choisi pour gade, pour tende, pour ouais. Et encore merci Pasteur Jean-Paul parce que ou apprenne nous déjà en pile bagay, mais certainement gen ou reste, gen ou suite. Ok. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Tendez à quoi c'est deux. Ou attendez nous et puis faut regarder dans Bible pour qu'aoué. Quel que soit grade ou dans bon Dieu, quel que soit rang ou dans bon Dieu, s'il vous plaît, n'a pas dit ou bagaille qu'on pas tap jambe connaît sinon pas dit ou li. M'bada jambe connaît si bon Dieu pas dit ni. Et puis si vous ratez les n'a pas parce que trop gros. Eh bien, on ne peut jamais me connaître encore, parce que c'est nous appelés pour nous donner, c'est nous gagnons, et puis ça, Abdoula, c'est la vérité. On met chercher dans la bibliothèque, chercher dans la sous-net, là, tout côté, pas bien. Si on a un monde qui a un petit bagaille, on est, c'est là qu'il y a une sortie. Écoutez ça. Dans Genèse, chapitre 1er, on a pris verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. La terre était informe et vide, sans forme et vidée de toute saleté qui est sous lui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'était après que bon Dieu t'a fait créer les cieux et la terre. Maintenant, ce questionnement ça que nous t'a posé, d'où vient-il que la terre sans forme? Comment t'es fait sans forme? Et puis, c'est alors que Dieu nous commence à pleuvoir pour nous, mais non, ça c'est la terre ancienne. C'est pas la nouvelle terre nous gagnons, c'est pas la terre nous gagnons là, je veux dire, parce que nous avons tout bagage sur la terre. Gen en forme là-dedans. Même ti grain woroli, bon Dieu ba en forme. Ti grain moutarde, gen en forme. Grain chou, gen en forme. Nous garder un grain chou nous comparer la con grain betterave. Ouais, même forme. Nous garder un grain pitimi la con grain à grain du riz, yo pas gen même forme. Mais comment la terre même fait sans forme. Comment mettre des choses avec des formes sur une terre informe? Ah. Mais nous venons comprendre, le Seigneur fait nous comprendre que c'est parce que tu as gagné des ordres qui t'est arrivé. Bagay nous avec une forme, je dis, là la Bible te dit la terre est informe, non? Yo pas encore là. Là dit la terre est vide là, pas de rien vrai sur la terre. Tout ça qui te gagne sous la terre, dans verset 1er, lorsque il dit au commencement du créa, les cieux et la terre là, bagay sa ou disparaît. Nous sommes dit où? Qui qualité, catastrophe qui te gagne. Mais nous pral vérifier ça pour une bonne confirmation dans les Écritures. Maintenant, vin gen ténèbre à la surface de la terre, et c'est seulement l'Esprit bon Dieu qui tape mouv sous de l'eau. N'a pas gagné un doule en passant, là nous te posé bon Dieu question, pour qui ça? L'esprit li tap mouv sous de l'eau. Ça, l'esprit li tap fait là sous de l'eau.
Alors que, il dit non, l'Esprit de Dieu est une troisième personne de la Sainte Trinité, pour c'est dans le ciel pour le tailler. Le Seigneur dit, mais non, je ne vais pas Dieu ensemble avec moi. L'Esprit, moi, c'est moi-même. Je vais l'Esprit sous l'eau pour limiter des gars, pour ne pas aller plus loin. Ah, là, je comprends que ma face en catastrophe, que je ne peux pas comprendre si bon Dieu ne peut pas expliquer. M'ne. Alors, je vais avoir une explication dans hein, l'autre verset qui vient après. Yo. Et puis, pour bon Dieu commencer à réparer des dégâts qui te gagnent sur la terre, n'importe quel qui peut faire quelque chose en dans la caillou et puis qui a fait noir, pour les bagages pour faire, c'est une lampe pour lui. Il faut faire lumière vini. Si vous prenez la collaboration avec un monde dans un business, dans une usine, dans l'église, nous prenons faire un choral ensemble, whatever ça prenons faire, il faut dissiper les ténèbres. Il faut que nous tombions d'accord ensemble. Il y a toute forme de ténèbres. Il y a des ténèbres fait noir. Il y a des ténèbres dans l'esprit. Il faut nous chita, pour nous parler de bagaille là, pour dissiper les ténèbres, pour nous faire lumière sur le choral là, nous prenons faire. Pour nous faire lumière sur l'église là, pour nous faire lumière sur l'entreprise là, pour nous faire lumière sur bagaille que nous prenons faire ensemble. Non? Alors, pour l'éternel réparer des gars, l'éternel prend faire lumière. C'est ça nous joigne dans verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. C'est ça. Maintenant, nous voyons la parole entrer en action encore pour créer les choses. Dieu dit, Dieu parle, que la lumière soit. Et le bon Dieu parle, maintenant, son diable a la parole pour la parole faite. Et la parole fait, c'est ça, on te lit dans Proverbe, chapitre 8. Moi, tu fais des listes, bon Dieu, tous les jours, jouant sur le globe. Moi, tu es là, et tu fais des listes, il avait dit, tu as fait que, bon Dieu, content. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Oui. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Les bon Dieu dit la parole, mais qui s'alvait pour gagner lumière. Lumière venue. Et la parole fait lumière venue. Et puis, que bon Dieu est content, parce que bon Dieu voit que lumière a, c'est un bon bagage. Comment lumière venue? Dieu. Lumière venue. Et puis, ténèbres ras l'école. Yon bon, et puis lumière même installe l'école, yon l'autre bon. Maintenant, bon Dieu dit ça c'est très bien. Bon Dieu séparer lumière avec ténèbres là, comment séparer là? Il met ton limite pour pas jamais rencontrer. Il dit lui-même lumière, ou après t'es là comme lumière, ou pas jamais éteindre. Il dit ténèbres, ou rencontrer t'es même, ou pas avancer, viens bon ici. Bon Dieu séparé lumière avec ténèbres là, et puis ça te fait. Dieu appela la lumière au jour. Bon Dieu dit, ou même lumière, m'relé au jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il gardait la nuit là, il dit, ou même m'aprelo nuit. Il gardait les ténèbres, il dit, m'aprelo nuit. Ainsi, il y eut un soir. Comme ça, tu gagnes un soir. Il y eut un matin. Tu gagnes un matin. Ce fut le premier jour. C'était le premier jour. Là, bon Dieu, gain lumière, il peut commencer à réparer des dégâts qui étaient faits sous la terre. Tu gain yon soir, tu gain yon matin, c'est alors que gain un premier jour. Bon Dieu gain lumière. Nous parlons qui ça va faire après ça. Dieu dit, bon Dieu dit encore, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ah, ça, pour m'expliquer, pour comprendre. Après ça, bon Dieu dit, bon, c'est pour gagner une étendue. Et puis, pour étendue ça, séparer de l'eau avec de l'eau. Ça que tu gagnes même, je ne sais pas si le Seigneur n'a pas dit ça. Je ne sais pas si c'est un livre que je vais lire pour comprendre ça. L'eau
qui était sous la terre, en bas terre, saute dehors, et bien l'eau passait, montait, il joue en haut dans le ciel. Il joue en haut dans le ciel, l'eau était seulement pas capable d'envahir le trône de Dieu. Il n'est pas arrivé dans le premier ciel là. Il n'est pas arrivé dans le deuxième ciel là. L'eau arrive en l'air, il était comme plateforme, ça c'est le ciel de Dieu, et puis l'eau arrive là. Tant que si l'eau t'a sorti là, et puis pour arriver dans le plafond qui est sous tête noire. Alors, l'Éternel dit, moi je voulais que entre l'eau, dans le temps de l'eau, pour gagner un étendue, un espace. Pour que, dans le temps de l'eau, pour gagner un espace, pour que en l'air, qu'il y ait de l'eau, et puis en bas, qu'il y ait de l'eau, mais pour gagner un espace qui sépare de l'eau avec l'eau. Parce que tout, nous là, nous comprenons dans la vie. Oui. Pour gloire, gagner, il y a un espace qui sépare. Ça, c'est gloire qui sont là, il est jusqu'en haut. Ah ben, pour gagner, il y a un espace comme ça, dans le temps de gloire. Sépare gloire en haut, gloire à gloire en bas. Comme ça, je dis, hein, ou qu'à comprendre, nous gagnons gloire en bas sur la terre, gloire en bas pied nous là, et gagnons gloire sous tête nous en l'air là. Si on a une possibilité pour faire un voyage, pour ta commencer à piquer monter, pour ta dire, ou pour aller dans le ciel côté bon Dieu, yeah, bon hôtel à privé là, ou pas qu'à continuer à aller sans pas fourrer tout dans l'eau. Parce que quand l'eau en l'air là, il faut pas être là, l'eau en l'air et tout, il faut passer dans l'eau ça, hein, pour arriver à jouer bon Dieu en l'air là. Nous avons l'eau en bas. Nous gagnons de l'eau en l'air. Comme ça, parole là dit bien, c'est pour gagner un étendu. Espace où est-ce que sous la terre, pour arriver juste en haut dans le ciel, jusqu'au tour où est-ce bleu en haut. Hein? Eh bien, bon Dieu dit, je ne pas appeler pour gagner de l'eau là. Un étendu qui pour séparer de l'eau avec de l'eau. C'est-à-dire, nous mettons de l'eau. Hein? Et nous regardons si ça fait. Verset 7. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. De l'étendue, ça veut dire l'eau qu'en bas bien là haut. Avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Avec l'eau qui en l'air étendue. Étendue, c'est espace ça que nous cap garder après tête nous garder juste en haut. C'est ça qui est étendu. Et cela fut ainsi. Et bien, elle a fait comme ça. Dieu appela l'étendue ciel. Aha. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Bon Dieu, elle est étendue ça, qui sortit en bas ici, qui est juste en haut, dans l'eau qui est dans l'air, lui est le ciel. Alors, on va voir que ciel n'a pas gardé en l'air là, ça nous est le ciel, l'espace ça, il n'est pas créé dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais maintenant, bon Dieu pourrait le créer, on étend du cap sous la terre pour y juste dans de l'eau en haut, et puis il est le ciel. Espace ça, le tarélel, le ciel sidéral, dans l'autre langage. Mais, l'aprélel plutôt, le ciel, le firmament, c'est-à-dire espace qui sortait sous tête là. Je ne sais pas, pour répondre à ma question, ça, elle me pose. C'est une question qui est simple. En pile prédicateur, vous voyez le monde dans le ciel, je vous demande, est-ce que, dans qui ciel? Mais au pas jamais répondre moi qui ciel me penser au pas connait différence qui gagne entre les cieux de Dieu et ciel ça que mon Dieu t'est venu créer le second jour parce que la création de la terre pas faite dans Genèse chapitre 1er verset 2 verset 3 verset 4 Dieu a créé premièrement les cieux et la terre. Et puis, des ordres l'arrivée.
les cieux et la terre créés dans l'éternité. Ou mettre dans toute Bible là, ou pas jamais moi qui bon Dieu t'a créé trône qui dans le ciel là. Ou mettre dans toute Bible là, ou mettre la Bible là 7 fois, que mon Dieu 7 fois 14 fois, ou pas jamais moi côté bon Dieu t'a créé 11 anges. Pour ça parce que les cieux et la terre qui étaient créés depuis dans Genèse chapitre 1 verset 1. Maintenant nous sommes au verset 2. Verset 2, maintenant, c'est la réparation de la terre. Et bon Dieu dit, premier bagage bon Dieu fait, il dit c'est pour gagner lumière. Parce que c'est gagner ténèbres sur toute la surface de la terre. Les ténèbres là, séparées avec lumière, bon Dieu, les ténèbres là, nuit, et le relais, espace qui est éclairé à jour. Il ne faut pas dire que quand on nuit est sorti, avec mené. C'est comme ça, une grande nuit là. Et bon Dieu dit, c'est pour gagner, yon, étendu, une séparation entre l'eau en haut avec l'eau en bas. Et bon Dieu, elle est séparation ça, ciel. Fait, en l'air, tête nous la gagne de l'eau. Si vous êtes parti là, le Jésus est parti en Galilée pour monter dans le ciel, il va pas arriver dans le ciel sans pas passer dans l'eau. Fait, je pense que le pasteur nous a prêché, qu'il y a vraiment. Dans le ciel pour l'éternité, pour l'éternité, faut ta connaît qui route fidèle lui a fait avant d'arriver. Parce qu'avant d'arriver dans le ciel, pour ta monter dans le ciel côté bon Dieu, il faut passer dans l'eau. Parce qu'en l'état nous là, gain de l'eau. Alors, qu'on a, nous voyons que bon Dieu est étendu à ciel. Ciel. Alors, si vous voyez un monde dans le ciel, faut dire. La traversée de l'eau avant d'arriver. Vous mangez quoi? Vous mettez un père meilleur absolu. Parce que faut traverser de l'eau. Il faut qu'on nage. Parce que si ce n'est pas pour lui venir commencer à nager, non? Il faut piquer cette ligne de l'eau pour passer, monter en haut. C'est en l'air de l'eau ça. La carrière de bon Dieu, s'il voit dans le ciel. Bon. Alors, ça c'est la révélation. Maintenant, nous sommes. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Kounya, bon Dieu finit l'étendu à ciel, lui fait de l'eau en haut, tout est en haut. Kounya, de l'eau qui est sous terre même, c'est toujours là. Et bon Dieu dit, bon, on connaît, de l'eau ça y est, qui là, m'blé aura le corps en côté. Mais on déplace les femmes dans là. Et puis, pour aller en côté. Et puis, ben, elle a fait comme ça. Le yo, le koyo, en côté. Et puis, gagne la terre que nous gagnons aujourd'hui qui paraît. Mais comment nous venons gagner la terre et la mer? La terre et la mer. Alors, nous parlons plus loin. Ça fait comme ça. Verset 10. Dieu appela le sec. Terre, et il appela l'amas des eaux mer. Voilà. C'est comme ça, bon Dieu, relé, sec là, côté que tu gagnes de l'eau, pas gagnes de l'eau encore, hein? Relé le terre, et li, relé côté de l'eau, alchita, l'amé. Ça veut dire, dans Genèse chapitre 1, verset 1, pas de gagne l'amé. Pas de gagne l'amé. De l'eau, ça y est, sorti, en bas la terre, en bas l'abîme, pour remonter. La terre, c'est toujours là. Lors, regardez, en ce moment, on va voir que, jour ça, bon Dieu pas créé la terre. Bon Dieu pas créé la terre. L'aide gloire à l'école, terre était déjà là. Nous pas pour non plus, dans Genèse chapitre 1, côté bon Dieu créé de l'eau, pour dire qu'il y ait des eaux. Ça veut dire, de l'eau était créée depuis dans Genèse chapitre 1, verset 1er, la création de la terre et des cieux. Création des cieux et de la terre. Eh bien, de l'eau est là, mais de l'eau est en bas la terre. Maintenant, ce que nous avons là, je vous dis, là, ça nous relève la terre là, ou capable de fouiller la terre, de côté, à 250 pieds ou 20 de l'eau. Il y a un côté qui a fouillé jusqu'à 300 pieds avant 20 de l'eau. Même j'ai tout gagné de côté, ou gratter terre à 2 pieds, 3 pieds, et puis de l'eau monter venir, non? Parce que, à l'origine,
de l'eau pas sur la terre comme ça, de l'eau était en bas terre. Maintenant, bon Dieu séparé de l'eau, il dit de l'eau, m'blé pour de l'eau à l'école mettre sous côté et puis pour terre sec là paraître. Et côté de l'eau, teya, bon Dieu relé le terre et côté de l'eau venir qu'on y a relé le mer. On commence avec clair. Oui, on va plus loin. Verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant un nœud, leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Bon Dieu, dit Kounia, c'est pour la terre donner de la verdure. Pour la terre gagne zèb vet, pour la terre gagne les arbres fruitiers, puis bois cap donné, et c'est pour chaque espèce gagne on semence là-dedans qui pour faire on l'autre pied. Ça fait, si vous mangez un avocat, vous plantez graine là, la pleuvez. Si vous jouez une graine et l'alo, vous plantez la fait pied l'alo bas pour manger. Si vous mangez un mango ou plantez grain de mango, l'abdonnez. Et bon Dieu dit ça. Et puis, bagaille ça après le fait, donc aux gens, bon Dieu dit ça. Verset et cela 12. Fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure. Oui, la terre produit de la verdure. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Il fait l'herbe qui gagne semence selon espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Voilà. La terre donnait zébio, il donnait pied bois, pied aboca, pied cachiman, pied corosol, il donnait pied pomme, pied poire, il donnait pied pêche. Et puis, il y a chaque gagné là-dedans, yo. On semence, on graine. En bon créole, il y a un grain là-dedans, il y a un noyau. Si vous plantez, il fait un pied, même là avec ça, il est sorti là-dedans. Ça fait jeudi, nous avons pieds avocats. Depuis que le monde est monde, graines d'avocats sont toujours levées, pieds avocats ont mouru, les pieds avocats ont fait. Ou manger encore au sol, ou jeter grain là, avec pieds au sol, ou te manger au sol là-dedans. Pas vivre tellement longtemps passé ça, on l'a la mourir, et puis grain gros sol a tombé dans la terre, les refaits ont l'autre pied gros sol identique. Même bagaille. Et c'était le troisième jour, bon Dieu dit c'est pour sa fête. Et c'est ça, la parole était là pour le faire. Le bon Dieu dit ça, et puis bagaille là, fête. Maintenant, nous pourrons aller dans verset 14. Dieu dit, bon Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Alors, tout ça, bon Dieu, fait, faut le parler. C'est la parole qu'a fait parler là. Bon Dieu dit, bon, je veux pour gagner un luminaire. Non, mais tant ciel là, qui ciel? Ciel, il saute fait à l'air. Pas ciel côté le rété, non? Dans ciel, il saute créé. Pour gagner des luminaires dans l'étendue du ciel là. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est Kounia, bon Dieu, pour le fait temps. Bon Dieu, pour le fait temps, il pourra le marquer, il pourra le créer des luminaires dans le mythe ciel là pour marquer les époques, les jours et les années. Et les années. Les époques, les jours et les années. Luminaire ça yo, c'est la lune, c'est le soleil, c'est les étoiles. Yo pral marquer les époques, les jours et les années. Fait, bon Dieu pral créer année. Kounia y a nous pas dans l'éternité encore. Dans année et dans année après gain des jours. Et voilà. Bon Dieu gain temps dans troisième jour, il va le faire en quatrième jour. Il disait pour luminer ça yo vin marquer époque yo tant coup je dis à nous gars époque carnaval c'est pas époque ça le tape marquer nous gars époque rara c'est pas époque ça le tape marquer
vous marquez les époques, c'est-à-dire durée de temps que bon Dieu fixait pour faire chaque bagaille. D'un coup, bon Dieu fixait une durée de temps pour gagner l'église sur la terre. Devinez ça. Une durée de temps pour moun vivre sur la terre. Une durée de temps pour moun mourir. Une durée de temps pour chaque bagaille. Gon durée de temps pour un petit monde fête. Gon durée pour mon nan ce petit bébé. Gon durée pour son petit paquet de 100 formes dans votre maman. Ça va y est entre 7 mois, 8 mois et 9 mois. Gon l'est pour le jeune. Gon un temps pour le grand monde. Bon Dieu fixe durée de temps pour chaque bagaille sur la terre. Pour marquer les époques. De façon que Pierre Boyo, Zaboka, ou Kagon époque pour vous donner. Vous n'avez pas donner chaque jour, vous avez une époque pour vous donner. Pierre Mango, vous avez une époque pour vous donner. Pierre Zaboka, Pierre Mango, Pierre Papa, Pierre Fouy, vous avez une époque pour vous donner. Alors, bah, ça, là, lumière, là, pour marquer tant ça. Verset 15. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Voilà. C'est pour ça a servi lumière tout, mais en mettant ciel là, dans l'étendue là, pour éclairer la terre. Avant, la terre pas de soleil, pas de lune, pas de lumière, c'est qu'on seule lumière. Et lumière ça, c'était Lucifer, qui éclairait toute la terre. Maintenant, bagaille la fait comme ça, ça pral gagner des luminaires qui marquent les époques, les années et les jours, et c'est eux qui pral servir de lumière pour éclairer la terre, pour que pas gagner ténèbres qui envahissent la terre encore. Verset 17. Le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Voilà. Comme ça, bon Dieu fait deux grands luminaires. Chaque plus gros pour présider le jour. Au jour. Chaque plus petit pour présider à la nuit. Maintenant, j'ai un droit pour me dire, sans pas besoin d'un scientiste qui a étudié avec gros lunettes qui a regardé les étoiles, pour me dire soleil là, plus gros parce que la lune là. Au moins, je me côté de ça. Ma cadeau, si c'est monsieur X qui dit ça. Ma cadeau, c'est madame une telle qui t'a étudié qui dit ça. Bible a dit, moi, soleil la plus gros, passé la lune, nan, et étoiles, yo, plus petit, passé la lune, nan, et passé soleil. Ouais, dans la Bible, vous pouvez apprendre le bagage. Et puis, ça parle fait comme ça. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Bon Dieu placé au nom du ciel là en l'air. Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Si vous êtes ici, toi, en Chine, vous avez le soleil là. Soit aux États-Unis, vous avez le soleil là. Soit en Allemagne, vous avez le soleil là. Soit aller à Genève, vous avez le soleil là. Si vous allez, quel que soit côté où vous allez dans le monde, vous avez le soleil là. Parce que le soleil, ça, là pour éclairer toute la terre. À partir de là, on peut comprendre que c'est impossible pour la terre tourner autour du soleil là. Parce que si vous allez en Chine, vous ne pouvez pas voir Haïti. Vous ne pouvez jamais voir Haïti. Vous mettez vivre 1000 ans en Chine, vous ne pouvez jamais voir Haïti passer devant un jour. Si vous allez en Allemagne, vous ne pouvez jamais voir l'Italie qui a passé devant. Jamais. Mais soit allez en Italie, vous avez le soleil là. Soit allez en Allemagne, vous avez le même soleil là. Soit allez en Chine, vous avez le soleil là. Soit allez en Haïti, vous avez le soleil là. Quel que soit côté y est dans le monde, vous avez le soleil là. Et au moment de la durée, dans la journée, vous avez le soleil là sous tête. Vous avez toujours le soleil là, levé, en bas, et la couché, en l'autre bord. Quel que soit côté où allez dans le monde. Si vous êtes ici, si dans le pays, nous dit le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est ça qu'on dit nous. Ce n'est pas un menti. Dans quelques pays, quand on allait, quand on voit le soleil apparaît là, c'est là qu'il laisse. Quand on voit le coucher, quand on voit le disparaître là,
Aïloès. En réalité, il dit l'Est, le vent ou bien Orient. Tous les trois, c'est même bagaille là. Soit on dit l'Est, ou bien on dit le vent, ou bien on dit l'Orient. C'est la même chose. Ou bien on dit l'Ouest, couchant, ou bien Occident. C'est la même chose. Mais quelque part à côté où aller sur la terre, ou bien pour que le soleil apparaît. Même dans le pays côté ciel là toujours fait noir. Il y a deux pays sur la terre, ciel là toujours fait noir. Il n'y a pas de dire nous. Il y a intérêt pour dire nous ça. Il y a deux pays sur la terre, ciel là toujours fait noir. Ciel là toujours, il y a un nuage là-dedans. Mais le soleil là a levé quand même. Et le soleil là a levé, on voit le soleil là. Pays, c'est ma parole, il fait frais en pile, en pile, en pile, en pile. Là où le soleil paraît la donne, là où le soleil paraît en matin, si vous avez un poil caché, si vous avez besoin de paix, ce soleil là. Chaud. Il n'est pas chaud en pile du tout, c'est là ça le fait frais. C'est dans le soleil là même, là où le soleil là, on va le chita la donne, pour cacher. Et puis, ou vin pi fret. On seul jan pour soleil la chaud pour vous, dans le pays sa yo, c'est pour, si vous venez côté soleil la frappe dans une vitre, ou mettre chita en bas vitre là, ou ap chaud. Li ka chauffe vitre là. Mais ou même, si vous dehors dans le soleil là, ou ap mange plus fret, y passe tout l'autre monde. Côté sa yo, moun retourne dans la caille toute la journée. Mon al travail, mais il y a pas le même genre de travail ensemble avec nous ici. Zone ça yo pas qu'à faire, on s'est de manger que nous mêmes nous faisons ici. D'un coup, ou t'as dans pays ça, ou pas qu'à planter pitimi, ou pas qu'à planter du riz, ou pas qu'à planter blé, ou pas qu'à planter, il y a des cultures c'est dans un caille yo fait. Pourquoi ça? Parce que zone ça, il fait fret dépasser. C'est grâce seulement qu'il y a de yon. C'est ça que fait, on dit la terre va virer autour du soleil là, mais c'est soleil virer autour de la terre. Deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, pas joindre assez soleil pour glace la fondre. C'était là que tu as viré. Hein? Deux points, tu as joindre soleil. Parce que s'il a viré autour du soleil là, il a bien le soleil. Mais c'est le soleil là qui viré sur la terre. Et le soleil n'a pas jamais arrivé dans deux extrémités. Yo, et ça fait que deux extrémités, la glace là pas jamais fond. Je dis la vérité. Il y a quelqu'un qui a démenti ce qu'on dit là. Nous allons plus loin. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Les placé au nom du ciel là. Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Pour présider au jour. Pour présider au jour. Youn c'est président la journée. Et à la nuit. Et l'autre là c'est président la nuit. Mm-hmm. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Pour séparer lumière avec ténèbres. Ça peut nous tabou dernièrement. Les étoiles toujours là au nom du ciel là. Toujours là. La journée on pas ouais. La lune là avec le soleil là pas jamais disparaître. La journée, la lune là, soleil là. Soleil là. Le soir, soleil là là. Mm-hmm. Même sous pas elle, il dans l'autre zone. Okay. Sous la terre, la clairer en l'autre zone. Le soleil là plongé tout rouge l'autre bord. Ouais, l'autre bord, il dit là le coucher. Le soleil ne se couche jamais. Il ne se couche jamais. Il fait continuellement le tour de la terre. Là, il clairait l'autre face là. Parce que la terre où elle est là, je vais regarder là. Là, vous voyez l'autre bord, ça va être l'horizon. Hein? La terre pas plate, vous voyez, je vais le plate. Dans le jour où l'autre bord, ça veut dire la terre est ronde et le soleil a plongé. Si ça, c'est à la terre, le soleil a sauté là, il fait ça, comme ça. Et
Yo dit nous comme ça, les faire un mouvement de rotation, un mouvement de révolution. C'est vrai. Parce que les partis n'ont un point pour aller, les faire le tour de la Terre, les faire le tour de la Terre, les avancer ici, mais le dernier point de ça. Après ça, recommencer encore. Commencer encore, ici vient d'un point de ça. Il fait une révolution, elle saute d'un point de là dans l'autre, elle fait une rotation, et elle fait ça. Il fait un tour en 24 heures. Quel que soit côté où aller dans le monde là, ou après le soleil là, changer de phase dans les 24 heures. Il paraît là, ou elle a monté là, il fait ça, à midi, il est pour où? Et à midi là, il est 11h, minuit, 1h, 2h du matin de l'autre côté. Si vous partez ici, hein, vous allez à Genève, si vous partez, si vous partez pour aller à Genève, si vous partez à midi ici, hein, si vous arrivez à Genève, dans la même joie, vous arrivez, vous avez besoin, si vous partez là, supposez que vous apprenez, bon, comment vous dites ça plus bien. Lors de 1h de l'après-midi ici, en Haïti, eh bien, à Genève, vous gagnez 8 heures du soir. Si vous gagnez 1 heure dans mon tour, ici, en Haïti, eh bien, si vous avez fait un coup de téléphone, vous allez en Israël, vous allez qu'il est là-bas, il est 7 heures du soir. Vous gagnez 1 heure de l'après-midi, vous gagnez 7 heures du soir lui-même. Alors, 1 heure de l'après-midi pour le soleil, afin qu'il approche, vous ne savez pas qu'il va dormir lui-même. Mm-hmm. Le wap dormi, moun sa yo levé et puis y a travail. Voilà pourquoi sabbat vient au casse-tête pour le temps pour toute la terre. Mm-hmm. C'est ça que fait Jésus, il est venu, il a changé ça. Il a changé ça, fait même les sur toute la terre. Mais je dis, hein, sous gain une heure de l'après-midi ici, hein, l'arrivée en France, la moine, ils sont l'autre là. Même tout près à là, aux États-Unis, si vous partez, ou t'as parti Boston, ou t'as parti Washington, dans un avion, eh bien, vous avez parti à 1h de l'après-midi, vous avez fait environ 1 heure de temps pour voler pour arriver à Chicago, vous avez fait 2 heures, vous avez fait les 1 heure. Alors, tu partis là, et laissez arriver. Il y a temps de décalage, il y a ça décalage horaire. Et décalage horaire, on entend dire qu'on fait moun désorienté. Parce que par contre, on garde, on passe tout bien. Parce que où tu es parti dans le matin, et pour quand on va aller à l'arrivée, dans le matin. C'est ça, le décalage horaire. Alors, comment va la partie là, l'Éternel placé ça pour marquer les époques, pour marquer les années, pour marquer les jours. Mm-hmm. Aussi pour présider au jour et à la nuit. La journée, soleil là, bah nous lumière bon ici, hein? L'elfine baille lumière, la lune n'en prend relève là, soleil là, elle baille lumière l'autre bord, ça faut que la lune n'en fait ça. Mm-hmm. Là, elle est tout. À soi, lune n'en vient baille lumière. Soleil là, repare encore bon lumière, quelquefois, on est tous les deux ensemble. Dans tout pays, ou après lever un jour, ou après lune avec soleil là, ou tous les deux dans le ciel là. Bon Dieu fait ça, et pas grand pays où pour aller, pour phénomène là, pas marcher comme ça. C'est soleil là que la lune dans tout qui conditionnait la vie de plante sur la terre. Il conditionnait la vie moun sur la terre, oui, parce que si vous avez un soleil seulement pour chauffer, vous ou tapez éclaté. Si tu as la lune non seulement pour éclairer où, mais finalement, tu as coco bon côté, ou pas la de vivre. Mais soleil là, avec la lune là, avec les étoiles, il y a un job spécialement à faire. Et moi, je dis, c'est tout système galactique là. Soleil là, la lune, les étoiles là qui déplacent. Et vous faites job ça. Bon, on n'a pas besoin de lunettes pour me comprendre ça. Le Seigneur a dit ça. Ça suffit. Ok, nous allons plus loin. Verset 20. Mm-hmm. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux suivants, vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Regardez, bon Dieu dit,
c'est pour de l'eau ça on te relé en mer ou bien pour de l'eau donner des animaux vivants. Léviathan, marsouin, poisson, tortue, crabe, lambie, crevice, gros requin, gros baleine. L'Éternel vient de dire c'est pour donner toute espèce. Ah ben, wa fou pour aller dans la mer pour être toute qualité, toute forme nette. Il y a un bête, les chatrouilles. Mm-hmm. C'est pas les pieuvres en français. Il ka prend parti longe là. Bête ça, il y a tellement de force qu'il ka chaviré même mon bateau. Il ka coller vent toujours dans le bateau, puis il redit le bateau et puis il chaviré. Mais bon Dieu fait toute qualité de bête ça, il fait tipi comme Mazoré ou Wayo. Il fait petit écrevisse, et puis il fait homard, qui est gros, hein? Il fait lambi, il fait toute qualité de ça, on seul, avec une seule parole. C'est ça, bon Dieu, t'es vrai. Et puis quand il dit ça, et puis la parole dégage là, rapidement, il fait tout le là. Bon Dieu dit, c'est pour l'eau à gagner des animaux de toute espèce là-dedans. Et puis il dit tout. Et que des oiseaux volent sur la c'est terre. C'est pour des oiseaux qui vont voler sortir ici. Vers l'étendue du ciel. Pour monter en haut. On ne va pas empêcher un mal fini pour voler très haut. On ne va pas empêcher un aigle pour voler. Il y a trois canards dans la cour, on ne va pas empêcher de voler. Ils ont volé, ils ont sorti, ils ont quitté le barrage, ils ont mis là, ils ont l'autre côté, ils ont mangé. C'est pour les oiseaux qui vont voler sur la terre. Et puis pour monter en haut vers l'étendue. Allez, bon Dieu qui fait ça comme ça. Ou pas qu'à empêcher ça. Mm-hmm. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Voilà. Mm-hmm. Il créa aussi tout oiseau ailé. Tout oiseau ailé. Selon son espèce. Chaque oiseau d'après espèce, lui. Dieu vit que cela était bon. Ah, bon Dieu dit, ah, ça a bon, ça a bon. Il fait canard, il fait gros dinde là, il fait autruche là, un poisson, un gros vieil oiseau, il fait un petit oiseau, tu peux dire, il fait sous-safle, il fait l'oiseau mouche, hein, il fait gros oiseau. Tu gagnes des oiseaux avant le déluge, de compte 11 gros, c'est un ballon. Mm-hmm. Hein? Oui. Les oiseaux, tu comprends, 11 gros, c'est un ballon. Et nous gagnons dinde là qui prend 11 et puis gros, passe par poule là. Mm-hmm. Et puis nous gagnons petit oiseau mouche là, ouais là. Mm-hmm. Ils font petit tout petit. Puis un petit oiseau qui a sorti là-dedans. Mm-hmm. Ils baillent canard en bec qui est bien rond, qui semble à un chalumeau. Il baille un petit oiseau, même un petit bec qui sont là qu'on aiguille. Il fait tout petit bête, il fait tout gros bête. Et puis il fait pour voler, il baille tout zèle. Hmm? Dieu les bénit en disant. Ah, bon Dieu béni. Soyez féconds. Il dit, c'est pour nous. Multipliez. Féconds. Et remplissez les eaux des mers. Voilà, c'est pour nous plein de l'eau dans la mer. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Pour les oiseaux multiplier sur la terre. Ça pour qu'il y ait nos oiseaux qui pondent 15 œufs. Quand il y a nos oiseaux qui pondent 20 œufs. Je dis à ma parole de poule, mon Dieu fait qu'il pond toute la journée, c'est piqué au bas. Il n'y a pas bon Dieu qui fait. Il y a les hommes. Mais bon Dieu qui a fait, on pintade, pond 20-25 œufs. Oui. Naturellement. Il y a fait, on poule, pond 15, 16, 17, 18, 19, 20 œufs. Pour qu'à multiplier. Et plus tard, on va voir que bon Dieu va faire des ordres. Il va dire, mais comment pour nous manger les oiseaux? Mm-hmm. Il dit, là, nous venons ni les oiseaux. Si nous prenons petit, il faut quitter maman aller. Si nous prenons maman, il faut quitter petit, il faut aller. Et c'est comme ça, ça n'a pas respecté, qui fait que des oiseaux disparaissent dans le monde, parce qu'ils ont goût dans la bouche des hommes. Ils ont mangé tellement, mais ils n'ont pas respecté le principe là, et puis les oiseaux ça disparaissent, etc. Comme ça pour quelques autres animaux.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Le cinquième jour, parce que la lune a présidé, le soleil a présidé, bonsoir, et puis bien, au matin. La lune a venu pour soir là, le soleil a venu pour matin. Matin, et puis bonsoir, bon matin, ça fait le quatrième jour. Cinquième. Le cinquième jour. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Ah, on y a beaucoup dans l'autre zone, il dit c'est pour la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Selon espèce. Du bétail. Du bétail. Des reptiles. Et des animaux terrestres. Des animaux terrestres. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Des animaux terrestres, c'est pas bête qui peut voler ça. Bœuf, cabrit, cochon. Moutons, les animaux, couleuvres, mabouya, zandolite, etc. Il fait toute bête ça pour vivre sur la terre et puis bagaille la terre faite comme ça. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Bon, Dieu dit ça, c'est bien. La parole t'est là et la parole t'a fait sans cesse les délices de Dieu. Il t'a fait que bon Dieu compte. Ça fait bon Dieu dit ça c'est bon. Là le bail la parole elle font bagaille, vous allez garder. Sa parole l'a fait, il dit ça c'est bon. Puis Dieu dit. Après ça bon Dieu dit comme ça. Faisons l'homme à notre image. À nous faire l'homme. Selon notre ressemblance. Selon l'image, nous, et selon ressemblance. Non. Et là, nous t'appelons toute bagaille en haut, bon Dieu, par exemple, dit on nous fait ciel là. On nous fait de l'eau à déplacer. On nous fait ci, on nous fait ça. Mais là, il dit on nous fait. À qui est-ce la parler là? À qui est-ce la parler? Maintenant, toute création est là. La parole à la création. Puis c'est création après l'aider pour faire l'homme tout. La parole est créature qui est dans le ciel. La parole est créature qui est sous la terre. Parce que bon Dieu pourra le prendre du limon de la terre. C'est là que bon Dieu pourra le créer. Il n'a pas créé de l'eau. Nous venons de l'eau à tout là. Il n'a pas créé la terre. Terre là, tout là. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Où est là, ce n'est pas la création que nous jouons dans Genèse chapitre 1er, verset. Premier, c'est une série d'éléments. Mais par contre, qui les bon Dieu t'a créé, il était déjà là. Maintenant, je dis, on nous fait l'homme. Selon notre. D'après, faisons l'homme à notre image. D'après image, nous. Selon notre ressemblance. Et d'après ressemblance, nous. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Qu'il domine sur les oiseaux qui volent. Sur le bétail. Qu'il domine sur le bœuf et le cabrit. Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pour le dominer sur la terre, pour le même dominer sur les petits bêtes qui ont rampé sur le ventre sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il n'a pas créé à l'image des trois dieux dans une seule personne. Le créer à l'image de Dieu. Le même avec la parole, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Dans tout le monde, ça, il n'a pas créé à l'image des dieux ou bien des personnes en Dieu, mais il le créa comment? À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ouais. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre
et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Mm-hmm. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Mm-hmm. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mm-hmm. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Bon Dieu, content. Bon Dieu, regardez tout ça le fait, il dit, ah, ça c'est très bien. J'aime te vouloir là, c'est comme ça le fait. J'aime te vouloir le fait là, il fait exactement comme ça, c'est très bien. Parce que si la parole, c'est un homme le ça, ou bien ton Dieu le ça, bon Dieu t'a balle en poids et demain pour dire, ah, ouais. C'est frère, on fait un beau travail. Et bon Dieu dit, ça c'est très bien, c'est le sixième jour. Alors, on a fait un petit campé là pour nous conclure que, eh bien, nous sommes venus dans le passage ça pour montrer que bon Dieu, l'Éternel des armées, n'a pas créé, nous voilà, le sixième jour arrivé, tout le monde connaît le septième jour, il s'est reposé. Oui. Il n'a pas créé la mort pendant ces jours. La mort était déjà créée avant ces choses. Mm-hmm. Il n'a pas créé la mort dans l'éternité passée pour détruire ces choses. Il a fait venir la mort. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec le langage, il me dit, Dieu a fait venir la mort. Tout ça, bon Dieu créé là, c'est venir le faire revenir parce qu'il n'y a pas d'aucun côté. Ça c'est compréhension pam, dit bon Dieu relé bagaille ça revenir. Dieu fait appel aux animaux dans les eaux. Il fait appel à des luminaires dans le ciel. Il dit c'est pour gagner luminaires dans le ciel. Qui boba ça au sorti? Non, bon Dieu. Qui est-ce qui met en existence? Bon Dieu. Alors, nous voilà que bon Dieu t'a créé toute bagaille ça yo parce que nous te voulons montrer ici que c'est pas la création de la terre que nous venons là, c'est plutôt la reformation de la terre. Parce que là, nous parlons un verset qui dit « Bon Dieu crée la terre ». Nous parlons un verset qui dit « Bon Dieu crée de l'eau ». Bon Dieu seulement prend de l'eau, dans une zone, il met en l'autre zone, la terre est là. Côté de l'eau, elle chita, ce que c'est le chita. Sur la terre. Sur la terre. Et il n'est pas créé une série de choses là, parce que bah, ça est déjà là. Et bon Dieu, tu dois créer l'homme, mais nous sommes capables de dire, bon Dieu, pas même créé l'homme, bon Dieu, formé l'homme. Parce qu'il prend du limon de la terre pour former l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, je viens là pour montrer que tu as un désordre, une catastrophe qui est arrivée sur la terre, avec Lucifer qui t'a écrasé la terre. Nous montrer, nous te dire, Lucifer, elle tombait sur la terre. Lui. Faire un trou dans la terre. Et puis, l'eau qui est en bas de terre passe et monte arrivé juste en haut dans le ciel, bon Dieu. Il n'y a pas en train dans le ciel là, mais il arrive dans le plafond. Lucifer continue à descendre. Lucifer prend le tomber dans l'abîme. Or, sur la surface de l'abîme, bon Dieu, tu es tracé, il y a un cercle et ça te mette les eaux. Et ça que tu es dans l'abîme, non? Ténèbres. Lucifer tombé sur la terre écrasée, l'eau passe et sortit. Lucifer continue à descendre toujours. Lui, pour aller tomber dans l'abîme, ça passe et sortit, qu'on y a ténèbres. Les ténèbres, c'est confiné dans l'abîme, et puis la terre devient informe, vide, plein avec l'eau, plein avec ténèbres. Et nous voyons là, processus, dans six jours, comment bon Dieu retire les ténèbres là. Lui retire l'eau. Il fait de l'eau fait en bas, un paquet de l'eau était en bas la terre, amas de l'eau qui était sous la terre, et maintenant de côté pour faire tourner la mer, et puis de l'eau qui était en l'air, toujours était en l'air, et puis étendu qui est entre de l'eau, bon Dieu, il est le ciel. Alors, on t'a dit tout ça pour montrer côté l'homme, nous t'a parlé côté l'homme sorti. Mais nous prenons que l'homme, c'est là
avant la création d'Adam et d'Ève. Nous avons traversé le chapitre 2 de Genèse là, et nous pouvons chercher un texte là. Après que bon Dieu fut béni le septième jour, n'est-ce pas? Nous voyons en verset 8 là. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. C'est bon Dieu planta un jardin en Éden. Éden là, c'est là déjà. On a besoin pour nous montrer ça. Avant la reformation de la terre, tu as un jardin qui est déjà appelé Éden. Maintenant, Éden ça, la catastrophe l'arrivée, Lucifer s'est tombé à Éden là crasé. Éden voulait dire paradis. Il était déjà là. Maintenant, le bon Dieu vina refaire la terre, qu'on y a, lui pral planter en l'autre jardin en Éden. Et qui va Éden la terre, c'est beaucoup de soleil levé. Du côté de l'Orient, beaucoup de soleil levé. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors, il prend l'homme, il ne va pas mettre l'homme n'importe côté sur la terre. L'a planté l'homme, l'a placé l'homme dans le jardin Sahara, en Orient, et dans Éden, côté l'été formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Bon Dieu, l'Éternel Dieu fait, puis boit toute qualité, espèce poussée dans le jardin. Agréable à voir et bon à manger. Il était belle nager et il était goût dans la bouche. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie dans le milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais, le bien et le mal qui existaient depuis le jardin d'Éden. Il était là. Bon Dieu prend bien. Avec mal, les confiner tous les deux dans un pied bois. Avait dit, avant la création de l'homme, avant la création de ce jardin, le bien et le mal étaient déjà là. On va plus loin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve qui sortit dans le paradis pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait entre quatre bras. Après ça, il vient faire quatre branches d'eau. Le nom du premier est Pichon. Premier branche d'eau, c'est le Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. Voilà. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Texte ça, montrez-nous. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Montrez-nous que avant Adam était là, la mort était déjà là. L'Éternel mettait Adam et Ève en garde contre la mort. Li mette yon pied bois dans jardin relé l'arbre de vie. Pour que ça, bon Dieu crée l'arbre de vie, parce que tu gagnes la mort. Li prise à le mettre en pied bois relé connaissance bien et mal, parce que le mal t'est déjà existé. Dieu a-t-il créé le mal? Non. Dieu n'a pas créé le mal, Dieu a vu le mal. Et il conditionnel. Li wè mal là. Et puis, les prendre, les mettre le non-pied bois. Dieu n'a pas créé la mort. Mais comme nous te dit, bon Dieu, tu es obligé de fabriquer la mort pour le cas détruit qui est ça, Lucifer. Pour, pas Lucifer précisément, tu es obligé de détruire, mais pour le détruire, l'iniquité. Et comme l'iniquité, c'est dans Lucifer, eh bien, Lucifer pourra le détruire parce que
iniquité a servié l'idée de gagner, hein? C'est depuis le ça. C'est dans Lucifer ça sorti qui fait gagner des pays dans le monde dans un espace de 365 jours, gagner 3, 4, 5 coups d'état parti. Lucifer a pris bon Dieu, il a les coups d'état. Je dis à grand pile monde dans le monde qui bat les coups d'état. Ça veut dire, il y a un place monde qui chef là. Il y aura les lagatés, il y a fait l'exilé, la plupart du temps, il y a fait l'exilé, il y a un patrouillel. Il y a un patrouillel, et puis il y a un chita, il y a un place là, c'est eux qui ont gouverné. C'est Lucifer qui t'a fait bagarre ça pour la première fois. Il t'a voulu prendre place, bon Dieu. Ah ben, je dis à Liba et les hommes, même sentiment ça, pour eux, pour une prend place l'autre. Dans le monde entier, on va les coups d'État toujours parti. Il y a des pays qui plus ou moins coup d'État va faire tout dégât qu'il fait dans l'autre pays, yo, mais ils ont qu'on fait coup d'État, ils ont dit un coup d'État électoral, il y a un coup d'État raison d'État. Ça veut dire, ils ont tué un président là pour la raison d'État. Même dans les grands pays, ah ben, il y a un coup d'État qui fait, ils ont tué un président, même dans le pays où il y a une démocratie, ils ont cherché un moyen, ils ont fait des assassins qui tuent, ou par exemple, qui est qui tue là, et puis on l'autre monde prend place là. Puisque ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Pierre, on peut parler de coup d'État, mais c'est la nation qui met ensemble, c'est le monde qui est en place, qui met ensemble, qui tue le président pour prendre, mettons l'autre monde dans la place. Bagay ça a entré l'église tout. Prédicateur prend place, prédicateur. Pasteur tué pasteur. Et l'autant des coups d'État dans l'église comme ça, ou mettre qu'on est moun qui n'a tête bagay ça, c'est Lucifer, Satan, le diable. Alors, pas qu'on est, si nous devons continuer à parler, parce que nous dans pile gros bagay là, parce que les consacrés chrétiens. Chrétien qui a suivi, a chargé la question pour vous poser. Ah ben bon, ça nous va le faire là. Nous prenons la frontière de récapitulation. On dit, en gros, nous te posons la question, quand la mort sorti. C'est Lucifer qui était dans la tête pour la prendre place, bon Dieu. Il y a un gros ange, il y a un bel ange, un ange qui est puissant en pile. Et un ange nous a dit, pas gagné une créature que bon Dieu t'a fait sous la terre qui t'a gagné puissance Lucifer. Dans l'époque ça. Et Lucifer t'a désiré prendre place, bon Dieu, en haut dans le ciel. Yo, et le parti pour la prendre, il t'a mis en pile les anges avec lui pour aller faire job ça. Et puis, ciel là rebondit, trône bon Dieu a rétorqué, il réagit, et puis Lucifer a tombé. Tu peux tomber dans la force. Gamoun connaît pas poser question comment Lucifer fait abnuer moun jodi a alors qu'il est dans la force. Et ben m'gal dou ça si on te contenté des hommes qui t'est c'est des hongaotés et puis au soi-disant divine converti en protestant puis a dit te bailler la main avec Lucifer même côté m'chita là m'a dit au menti tant cochin. On pas qu'a dit on va bailler la main avec Lucifer. Quel que soit moun ou taille a je vais dire Lucifer, c'est ou pas qu'il y a la main avec Lucifer. Et bien vrai. Lucifer est gardé, enchaîné. Enchaîné. Il est capable de faire une manifestation. Il est capable de faire un cochon, c'est pas avec un bœuf, avec un couleuvre, avec un monde. Par le biais de sa puissance, il est capable d'agiter un monde. Mais toute zone qui a pile puissance, bon Dieu, gardez-vous enchaîné dans les lieux célestes. Les planètes que nous avons des gens pour aller, c'est un dépotoilier. C'est là, bon Dieu, serré. Puis, gros anges qui t'a capable de problème sur la terre, bon Dieu, serré là, les gardez-vous enchaîné dans les lieux célestes. L'apôtre Paul parlait dans Éphésiens des dominations, des autorités, des princes du monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Étendu ça qui en haut, gagné en pile planète qui mon yo kawe,
Tout ça, c'est des pays que bon Dieu fait pour qualité bon sayo. Et c'est surtout ciel sayo qui pourra le passer, les cieux embrasés. Se dit soudain, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle referme, sera consumée. Même gens en gouvernement, qui a un droit dans Port-au-Prince, et puis ils font prison, quoi des bouquets, pour le mettre bandit, et comme ça, bon Dieu, en haut dans le ciel, par un côté, vous mettez mon ça, sous la terre, ou pas qu'il sous la terre, avec le cœur, il se passe en l'air. Il mettez yo. Mais mon truc à goûter pour aller dans la planète, c'est des mois au besoin à le visiter. Ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des démons qui sont tellement méchants, si vous avez sur la terre, vous avez crasé la terre dans le clin d'œil. Bon Dieu, papa, au doigt pour venir, pour moi même dire, vous avez la main avec Lucifer. C'est menti. Menti. Alors, n'a quitté place là pour bien aimer poser certaines questions. Zami kap écouter nous là, prépare poser questions. Mais si nous te kap un petit morceau de musique, ça t'a vraiment bon. Tu es grand Seigneur. Et ton amour est infini. Ta bonté est parfaite. Ciel le Dieu bienheureux. C'est le rocher des cieux. Tu habites une lumière inaccessible éclatante. Ta présence majeste. Alléluia. Tu es le Dieu glorieux. Et ta sagesse envers nous. Il est infiniment varié. Pour contempler ta puissance, ta bonté éblouissante, à toi bénédiction, éternel, éternel. Alléluia. Tu es grand, tu es digne de louange pour toutes tes merveilles, pour toutes tes merveilles, pour tout ce que tu as fait.
C'est ce que nous venons de chanter, la chorale des jeunes de la chorale de l'unité de l'église de Jésus-Christ pour le gospel. Alors, nous ne connaissons pas ce panel-là, il y a certaines questions que tu as même posées dans la place publique là, parce qu'il y a des questions que tu n'as pas posées. C'est peut-être toi-même qui dois poser le poli, ou bien si tu as des avancées, quoi faire. Moi, je suis pratiquement content parce que je suis capable là pour me tendre et puis pour me voir. Il y a des choses avant de mourir, il faut qu'on ait. Ouais. Et l'homme dit qu'il a servi bon Dieu tout. Conseil de bagaille pour qu'on ait. Et Dieu soit loué. Encore, peuple haïtien, tu as dû sentir bien heureux. Ou même qui a gardé nous là, tu as dû sentir bien heureux parce que le bagaille qui dit là, c'est le bagaille qui a. Ou je viens d'écrire dans le livre, c'est pas bagaille ou attendez dans ken, soit ken station de radio, c'est pas bagaille ou pas le consulter sur net là, mais l'on comprend profondeur, ou comprendre, même Jean-Bon Dieu était fait là, pour l'apôtre Paul, il était parlé avec lui par des révélations. Comme ça, tout n'a pas comprendre, bon Dieu dans fin temps, il y a un peu l'intérêt pour expliquer nous bagaille. Qui pat là avant, même j'en l'ai entendu faire pour Adam, parce que Adam te doué koné bagay sa yo pour te continuer à vivre. Et quelque chose que je comprends encore, tout bagay qui écrit, tout ça qui te existé, tout ça qui existé, bon Dieu, c'est récit ça que le quitte pour nous, qui c'est la Bible. Mais il y a des choses, je comprends, les bon Dieu décide ça, les cap expliquer ça à un monde et bon Dieu révèle les secrets à moun que le voulait. À ses comme serviteurs, ça, oui. Les prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Nous comprenons encore, c'est une bénédiction pour le pays d'Haïti, une bénédiction pour tout le monde qui choisit pour marcher avec bon Dieu, bien entendu, pour le monde qui voulait. Et nous comprenons, en pile bagaille là, l'un des parties dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, eh bien, lors arrivé dans verset 2 a ça qui exact là dans moment et ben on va révéler on va expliquer et n'a comprendre que livre Genèse là c'est bon Dieu qui dicte Moïse là Moïse pas là même normalement il y a des choses bon Dieu qui doit pas dicter dans livre là mais il a choisi pour le révéler à un serviteur il a choisi pour le révéler à des hommes que livler et ces bénédictions ça que nous joignent à soi pour nous comprendre des choses qui pas écrit dans des livres encore en pile compréhension et en pile bagaille tout que n'a besoin percer dans jour qu'a venir mais m'a comprendre quelque chose lorsque bon Dieu dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre et effectivement nous pas trouvé qui bon bon Dieu il créé les anges nous pas trouvé qui bon li fait créer terre là en tant que matière mais c'est au moment de la création c'est ça nous relé la reformation de la terre nous comprenons que bon Dieu li parlait et puis de l'eau râlé koyo mettez sous côté et puis sec là vient paraître alors petite question que m'ta gagne dans ce sens ça entre Genèse 1er et Genèse alors Genèse 1er verset 1er à Genèse 2 mais grand pile bagaille qui t'est faite et qui pas révélé et c'est là même m'a comprendre que gain et des choses et c'est l'esprit bon Dieu qui t'a venu pour dire nous mais quelque chose lorsqu'il dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ou expliquer ça clairement c'est pour limiter les dégâts c'est pour limiter les dégâts et m'a comprendre lorsque bon Dieu ça plus pour plus explicite nous lisons dans la Bible que bon Dieu tracé un cercle à la surface de l'abîme pour te mettre la terre. Alors n'aime pas mon petite explication sur ça tout à l'heure montrer nous que de l'eau t'est passé monter l'eau Lucifer passé descendre et ben de l'eau vient passer monter et ben est-ce que dans première création si me parler comme ça est-ce que pas de gain de l'eau qui était sur la terre c'était seulement sec là qui était là et puis de l'eau était en bas sec là. Comment ça t'est? L'on regarde là dans toute Genèse jusqu'au sixième jour, par un côté bon Dieu dit qu'il y a des eaux.
Gloire nous jeune là. Jeune là parce que dans verset 2 dans Genèse chapitre 1, il dit et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les eaux étaient déjà là. Les eaux furent créées dans l'éternité. Créées avant des autres là. Avant catastrophe là. Maintenant, lorsque Lucifer tombait du ciel, destination c'est de la force. N'a pas temps pour nous montrer côté, bon Dieu précipite dans la force. C'est que ça dit ça. Maintenant, pour arriver dans la force, il faut tomber sur la terre. À l'époque, toute l'eau était en bas de la terre. Bon Dieu tracé un cercle sur la surface de l'abîme, il mettait de l'eau, après ça, il mettait la terre. De l'eau était toujours en bas de terre. De l'eau sous cercle et terre sous de l'eau. Dans le psaume, nous lisons le texte, il dit « L'Éternel a étendu la terre sur les eaux. » Il mettait de l'eau. D'abord, il traçait un cercle, il mettait de l'eau pour que l'eau ne pas franchir les métaux, et puis il mettait la terre sous lui. Comme ça, ténèbres-là, même c'est dans l'abîme, ténèbres-là, pour le sortir dehors, il faut le passer dans de l'eau. C'est difficile pour ténèbres franchir de l'eau. Maintenant, il posait la terre sur les eaux, il mettait de l'eau, après ça, il posait la terre sur les eaux. Maintenant, là, Lucifer saute tomber. Ça, c'est abîme, quand Lucifer prale, abîme, en dedans, abîme, il y a des ténèbres. Sous abîme, il y a de l'eau, et sous de l'eau, il y a la terre. Quand Lucifer tombe sur la terre, il fait un trou dans la terre. De l'eau passer monter. Après ça, ténèbres passer monter. Qu'on y a, comme les fins percent la terre, les rivets dans de l'eau passer monter. Qu'on y a, continue de descendre. Il tombe dans l'abîme, ténèbres passer monter. C'est comme ça, ténèbres là, tu plein toute la terre. Et puis de l'eau tout est plein toute la terre. Dans gain de l'eau sorti, côté pioui là, il est juste en haut dans le ciel. Lui. Et ténèbres la même, tu es rempli toute la terre. Pas de lumière. Yes. Et il y a l'autre question encore. Lorsque il dit, et alors dans Genèse 1, lorsque il parlait de. Lorsqu'il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, récit, c'est pour t'en montrer, lorsque il dit ce fut le premier jour là. Alors, nuit, ça, n'a pas compris, son nuit qui partit depuis premier. Alors, lorsque il y eut un soir, il y eut un matin, premier soir, ça a quitté gagnant, il commençait à partir depuis du moment. Depuis les ténèbres passaient monter. Depuis les ténèbres, depuis les Lucifer, ouais, perdu au ouais, lien, ouais. Nuit, ça a commencé. Nuit, ça a commencé. La terre était en fait noir, était en ténèbres. Fait, il n'y a les nuits, mais il y a les ténèbres. Tout simplement. Mais les bon Dieu viennent séparer. Ténèbres là, avec lumière, c'est laisse ça pour les ténèbres là, nuit, parce que la lumière a venu, il n'est pas détruit ténèbres là, il y a une zone qui ténèbres, une zone qui lumière. Soit aller dans le caille, dans le champ caille, petit qu'on champ caille, soit aussi gros que le caille, ou photon allumette, l'on arrive dans le caille, après ténèbres, plein tout le caille là, l'on photon allumette, rapidement, ténèbres la cherche en côté de l'école. Il faut école en bas cabane, il faut école en dans buffet, des buffet, en dans soulier. Côté le jouen, il se recolle et puis lumière a gagné tout côté. Par exemple, dans la salle, il y a des ténèbres. Si on entre en bas table, on va venir faire noir. Faire noir, toujours là. Mais il faut que la lumière puis fort passer pour qu'elle soit capable. Fait la lumière est venue, ténèbres la fait en bas. Et bon Dieu, les ténèbres là, nuit, et les clarté à jour. Ce n'était pas vraiment la lumière, mais c'était plutôt la clarté, la lumière, le jour. Alors, avant de parler de l'autre panel ici, l'on comprend que bon Dieu, il fait le soleil
pour présider au jour, mm-hmm. la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Mm-hmm. Depuis les bon Dieu fin fait yo, yo toujours a fait job yo. Mm-hmm. Et je me t'a comprendre ténèbres en réalité ça nous wea, c'est pas lui-même parce que ténèbres, la lune est toujours là, soleil là toujours là. Ténèbres qui était là auparavant, c'est pas lui-même qui l'a encore parce non, que... parce que lune n'a diminué. Les étoiles yo diminué ténèbres là tout. Mm-hmm. Fait les vignes gagne une grande partie des ténèbres qui retourne dans abîme. Côté mm-hmm. était doué ya parce que bon Dieu reformaté disquette là, il reformé la terre. Maintenant, gagne ténèbres sur la surface de la terre. Mais à cause de la lumière qui gagne ténèbres là pas qu'à remasser, regrouper encore. Voilà pourquoi mm-hmm. symboliquement parlant, c'est une image qui fait dire je dis toujours une bataille, la guerre entre la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres. Fait ténèbres là, les toujours là, mais ils ont limite. Les pas cabine souterrain lumière, parce que soleil là a présidé la journée et puis dans la nuit même, c'est la lune qui a éclairé comme ça. Ténèbres qui te gagnent, les bon Dieu te dit que la lumière soit. Il n'y a jamais de ténèbres ça encore. Parce que il y a des luminaires dans le ciel. L'homme mm-hmm. mettant lumière sous tête, il crée plus parce que la lumière on mettait devant. Ça fait, Jésus dit, les lumières lampes, c'est pour mettre les sur le chandelier, afin qu'il éclaire toute la maison. D'accord, merci. Alors, c'est un petit pause bon parce que. Qui te reçoit en l'autre point de panel. Alors. Là où t'as parlé tout à l'heure, hein? Montre-nous le monde qui a créé les arbres. Gagné ronce avec épine. Qui bat là. Qui bat là. La verdure pour y bat là. Y bat là. Alors, c'est le monde qui a bâti sentence à Adam, à Ève. Et bon Dieu dit, c'est avec douleur, avec, c'est avec souffrance fond Adam pour capable de jouer nourriture pour le manger. Alors, c'est désobéissance à Adam même qui fait ronce avec épine. Oui, l'Éternel dit ça même, il dit, le sol produira à cause de toi. Le sol produira des ronces et des épines à cause de toi. Oui. Ok. Nous apprenons qu'il y a de l'eau en bas, nous, il y a de l'eau à gauche, à droite et il y a de l'eau en l'air. Bon, je ne vais pas dire à gauche, à droite, non. Je dis en l'air. En l'air et en bas. Et en bas. Il y a de l'eau en bas, nous, il y a de l'eau en l'air. Mm-hmm. Alors, bon Dieu fait venir, ils ont étendu, et puis entre espace qui en l'air et en bas, ils ont étendu, et puis ils ont de l'eau en l'air, et puis ils ont espace en mi-temps, mm-hmm. et puis ils ont de l'eau en bas. Ils ont de l'eau en bas. Alors, avant la récréation de la terre, mm-hmm. est-ce que tu as toujours de l'eau en l'air et en même temps en bas? Non. Tu as de l'eau seulement en bas terre. De l'eau a été sous tête cercle là qui sous abîme là et terre elle même t'es sous de l'eau. De l'eau, toute l'eau est en bas la terre. Toute l'eau est en bas la terre. Il est possible que tu aies des sources de l'eau qui t'abjaillent. Mm-hmm. Parce que nous avons des versets dans la Bible là que nous ne pouvons pas chercher qu'on y a qui montrent nous que tu aies des sources qui t'abjaillent. Certainement. Mais sous la terre, pas de gain de l'eau tant que j'en vois la mer gain de l'eau là. C'est lorsque Lucifer saute tombé, il passe dans de l'eau et puis de l'eau saute dehors. De l'eau est toujours en bas de la terre. L'Éternel a étendu la terre sur les eaux. Et sa Bible a dit. Alors, il y a un bagage qui dans la zone abîme, que je ne peux pas comprendre. Comment en même temps, parce que le Lucifer est tombé sur la terre, t'es écrasé, il m'a mm-hmm. sur la terre, il plongé de son. Dans l'abîme, non. Et puis, il passait filet qui était de l'eau en l'aile de son en bas. Qui est-ce? Lucifer. Là, il tombe dans l'abîme, non. Il tombe dans de l'eau. Pourquoi tomber dans l'abîme, non? Là, il tombe sur la terre, écrasé, terre, il descend en bas. Je vais faire démonstration de l'abîme, je vais faire le pour encore. Okay. Ça, c'est l'abîme, non. En l'abîme, non, il y a une ténèbre. Il y a une ténèbre. L'Éternel trace son sexe sous l'abîme, non. Pour la mettre la terre, mais on va le mettre la terre, il mettait de l'eau. Les filles mettent de l'eau,
il met la terre. Donc Lucifer là sur la terre. Si vous voulez monter dans le ciel, Lucifer saute tomber sur la terre fond. Lucifer trouve le nom de l'eau. Lucifer percer de l'eau. Pour les gens, c'est force là toujours. Après, il descend, il percer de l'eau. De l'eau passe et monte sur dehors. Vine sur la terre. Ouais. Il pas qu'à arrêter dans de l'eau, il passe et descend, et dans l'abîme, il prend les destinations de ça. Okay. Il passe dans ce cercle-là, il perce l'abîme, et puis il tombe dans l'abîme, là, sac dans l'abîme. Fait noir. Ténèbre, fait noir, sorti tout. Ok, ok. De l'eau sorti, fait noir, sorti. Ok. Ça veut dire, de l'eau, tu es dans l'espace-là, il part en contact avec fait noir. C'est non. L'or, l'issue va finir tomber dans de l'eau. Et puis il est plongé de sang dans le feu noir, dans l'abîme. Mm-hmm. Et c'est là ça, il y a une brèche qui fait. Oui, c'est là ça, ténèbres passé sur ténèbres passé monter. Parce que c'est un cercle sous tête. Ok. Abîme. D'accord, merci. Tu as montré, surtout dans le texte que nous avons appelé dans Genèse, côté bon Dieu, il finit de créer tout. Et ça, il a créé, puis il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et puis là, on dit que, tant qu'on nous compte ça, ce n'est pas avec une troisième personne que bon Dieu t'a parlé, tant que le monde dit ça. On dit que c'était avec la création que il t'a parlé. Puisque, alors, ma pas compréhension, si c'est ça, on va dire moi. Mm-hmm. Puisque bon Dieu a déjà créé toute bagaille. Et il y a un plan pour que l'homme habite sur la terre. Et la terre a été écrasée. Il reforme la terre, il mettait toute bagaille là. Maintenant, il mettait, il parlait avec création, mais de ça qui manque là, c'est l'homme. Qu'on a là, il a mangé, il a de l'eau, il a la lune qui a éclairé le soir, le soleil le matin. Il a s'arrêté pour. Monde capable, l'homme vient habiter sur la terre pour capable jouir de bagaille ça. Est-ce que c'est avec c'est comme ça qu'il t'a parlé de vous dire et faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Est-ce que c'est à quand on vous dit c'est avec création. Est-ce que c'est l'aliment de création qui ça nous manque là qu'on a puisque mais nous déjà là oiseaux là. Mais quoi poser question à création. Ok. Le plan de Dieu c'était qu'il mette l'homme sur la terre. Okay. Et le moment venu pour que Dieu mette l'homme sur la terre, laissa la terre est accrasée. On a le droit de le faire quand même, parce que bon Dieu n'a pas jamais pris au dépourvu. Comme si bon Dieu est arrivé là, il a choisi à manger cap cuite, et puis il est arrivé à manger à cuite pour le mettre la terre, et puis on passe au volet, torchon, volet grand pour le mettre sur la terre, et puis bon Dieu dit, mais ça a fait là. Mais tout bouillon, mais toute sauce, dans manger à peine c'est celui-là. Ça m'a fait. Et bon Dieu, par contre, ça pour le faire. Parce que chaud d'arrêt sous dire, alors qu'on me dit, non, on ne dit pas comme ça. Ou bien, ou t'as vine là, bon Dieu, gon assiette pour le mettre manger, on passe au bras assiette là. Et puis bon Dieu dit, bon, ça me va le faire là, bag assiette, non, mettre manger. On dit pas, jamais pris au dépourvu. Tant arrivé pour mettre l'homme sur la terre écrasée, bon Dieu fait l'homme quand même. C'était le temps accompli pour que l'homme te vienne sur la terre, parce que Lucifer était là pour garder la terre. Pour garder la terre. Et jusqu'à ce que l'homme t'a été sur la terre. On pourra le voir que c'était le plan de Dieu pour qu'il y ait l'homme sur la terre, puis qu'il y ait des anges aussi sur la terre. Qu'il y ait des anges sur la terre au commencement. Mais quand il y a ça qui va le passer, bon Dieu te mettait les anges d'abord, après ça pour la mettre l'homme. Les anges déchus, l'homme vient déchu tout. Il y a bon Dieu choisi, pour le prendre mon Dieu d'abord. Pour le mettre sur la terre, au praloué, lorsque Christ va venir sur la terre, il y a des anges encore sur la terre. Merci. L'homme et les anges vont cohabiter ensemble sur la terre. Ou te montrer dans tout, le bon Dieu, ouais, iniquité à la cas Lucifer, les créer aux outils. Pour détruire l'iniquité qui c'est l'homme. Mon Bon, dit tout que le pas de créer l'esprit, Jean 1er verset 3 était là. Non. Les Jean 1er verset 3 dit toutes choses ont été faites par elle. L'homme pas de la donne. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parce que les ça, bon Dieu, pas de bonne raison pour le faire l'homme. Ok. Il n'y a pas de besoin de faire l'homme. Parce que l'homme, c'est un outil pour détruire. Bon Dieu, pas capable de créer. En même temps,
pour créer qui chèl pour aller détruire. Par exemple, pour Kawe, lorsque les habitants, d'après le déluge, viennent réunir à construire tout, pour y bejouk dans le ciel, bon Dieu descend, et puis il dit, oh oh, il y a tout pas lancé langue, et puis c'est bien ça a fait. Il a réussi dans ça a fait, et ça n'a pas dans volonté moins, pour que les hommes construisent tout, arriver dans le ciel. L'Éternel garde dans tout ça le créé, le pagan, il y a le créé qui pour mettre l'homme en discordance avec lui-même. Mais il n'a pas créé Zizani. Il n'a pas créé sujet de discorde. L'El Galil, où il travaille la presse, il dit waouh, ça me fait là. Tout le monde parle en seule langue. Bon Dieu, c'est qu'il y a plein. Pour ça, tu es venu comme une grandeur pour lui, pour que les hommes parlent plusieurs langues. Mais, il faut apprendre la langue ça dans le bon Dieu. Alors, comme bon Dieu ne peut pas mettre rien là pour te créer Zizani entre les hommes, la langue ma coûte, langue était créée yo. Et pour un point langue, il voyait sur tout le monde. Et puis chaque parle une langue différente. Et puis c'est comme ça qu'on s'est séparé. Mais avant, bon Dieu pas créé la langue pour la division. Parce qu'il était créé le monde pour être ensemble. Être ensemble. Ça fait, il baille les hommes en seule langue pour parler sur la terre. Mais les hommes viennent à faire mal et ils ont tout parlé en seule langue. Ils ont un avantage. Ou avantage, si je dis, on a le trou au monde, vous comprenez? Et pour parler ensemble avec moi. Si je dis, on fouille un trou, on fouille un trou ensemble avec moi. Parce que nous tous nous comprenons là. Mais bon Dieu, je vais me en place non, là pour me faire moun pas qu'à vivre avec moun, faire moun pas qu'à entendre avec moun. L'obligé de créer la confusion du langage. Et puis il voyait les langues sur les hommes. Et puis les hommes commençaient à parler des langues différentes l'une de l'autre. Et ça fait, si vous menez en espagnol, chita là, tout parle, n'a pas parlé là, le gars, il ne sait pas comment ça va dire. Lui-même, tout le monde a parlé. Il va comment ça va dire. À moins qu'il apprend la langue, hein? Ou bien nous-mêmes, nous apprenons la langue par là. Parce que c'est des choses que bon Dieu n'a pas créé. Okay. Il va être là avant. Yes. Alors, c'est même bien pour épine avec ronce que bon Dieu n'a pas créé. Épine avec ronce, bon Dieu n'a pas créé ça. Mais c'est pour le bail, l'homme en souvenir, pour faire songer. Que le Dieu désobéit, il dit désormais la terre produira à cause de toi. Ouais. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, eh bien, c'est avec beaucoup de peine ouais. que tu retireras ta nourriture dans le sol d'où tu as été pris jusqu'au jour où tu y retourneras. À cause de toi, le sol produira des ronces et des épines. Ben, c'est au patelin. Non, lorsque il dit toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça fait le royaume, bon Dieu, abat sous la terre. Pas de gens à Képine. Okay. Le royaume bon Dieu va sur la terre, le nourrir dans l'éternité. Pas de soleil, pas de la lune, pas de étoiles, pas de la mer. Pas de rien dans la mer. Pas de paquet de langues pour nous parler. Et tout ça qui n'est pas original pour quelqu'un pour disparaître. Alléluia. Mm-hmm. Merci beaucoup. Donc on dit que bon Dieu n'est pas créé le mal, non. Mais il est conditionné. Il est mal là, il est conditionné. Il est mal là, il est conditionné. Il est réglementé. Est-ce que, quand on a expliqué ça, il est réglementé, est-ce que c'est parce qu'il est utile dans telle zone ou bien mais non, il est limité, il est dans une zone pour ne pas mettre des personnes. Okay. C'est ça, il est réglementé. C'est un coup où tu as levé au matin et puis, où pas de gens connaissent, comme tu as dit ça. Ou pas de gens connaît si petit chat ou gagne c'est comme manger petit poule. OK. Ou pas qu'à retirer manger poule là dans lui. En attendant ça on fait au fond barrage soit mettre chat là dans code. OK, on va mettre au fond barrage ou mettre petit poule. En attendant qu'on fait soit faire avec. Qu'il y a bon Dieu gain pour détruire le mal. Le fils de Dieu est venu pour détruire le mal. C'est ça. Le but de Jésus sur la terre. Là, la Bible dit, la mène au royaume, non, vini, hein. C'est but à ça, mène au royaume, non, vini. Mais qui royaume? Un royaume sans mal. Un royaume de justice. Un royaume de paix. Fait, nous ne pouvons pas venir là en seul jour pour nous dire que Jésus vient là pour détruire le mal. Mais, nous commençons par montrer qui ça vient pour détruire. Mm-hmm. Jésus commençait par détruire le mensonge. Oui. Satan l'a toujours pour qu'il détruise Satan. Mais il a détruit le mensonge.
Jésus là pour détruire le mal, pour détruire le péché, pour détruire l'esprit du mal. L'aile prend Satan pendant le rémélé, il commence à rémélé, mettez-le dans le trou, mal la porte qu'on détruit, mais il commence à contrôler. Parce que pendant 1000 ans, pas bien mal encore. Pas bon monde qui a pris un gilet, mais mon zipping sur l'autre frère. Jamais. On va aller dans le frère, méchant, pour le côtoyer juste là, et nous vivre ensemble. Méchant pour le travail dans le jardin juste là, pas jamais dans la tête li, pour le faire le mal encore. Parce que le monde qui t'a fait mal là, il est en prison. Il va faire ça encore. À la fin du règne millénaire, il a sauté Gog et Magog aux quatre coins du monde pour toucher tout le monde qui s'est mouvé. Il dit nous, pas qu'à rétablir, dormir comme ça, nous voyons ce qui a passé là. Et puis tout le monde a levé. Et puis, il y a sous mal qu'on y a. Il y a une bondition. Et puis, c'est laissé à l'éternel pour le détruire. Mais pendant 1000 ans, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Pas jamais un monde qui a blessé à un couteau parmi les enfants de Dieu. Pas jamais un homme qui a porté un pied mango pour le sort tomber, tomber son pied cocoyé, jamais. Monde pas fait voisin nan mal. Quel méchant, quel bon. Moi, remercie Papa Frère Paul encore l'autre fois pour qualité sujet ça que Lévin avait lu pour nous-mêmes. Senti c'est un sujet pour chacun de nous ta libérer l'esprit nous parce que gagne des bagages sont toujours quitter dans l'esprit ou on pas besoin de possibilité pour comprendre sujet ça parce que les Frère Paul remontés dans l'éternité passée avec Lucifer et Zan qui était là à disposition ici sur la terre, la pontige difficile pour comprendre si ou pas libérer des choses qui étaient déjà dans l'esprit, si ou pas la guérir ou bien t'apprends une position pour que ou quitter bon Dieu, bah ou intelligence pour comprendre. Parce que intelligence là, li là, tant que Jean Daniel, bon Dieu te dit ça à Daniel, n'en fait tant connaissance pour aller augmenter. C'est le monde qui est intelligent, qui comprend, mais aucun des méchants ne comprendra. Nous comprenons que c'est une grâce, c'est une bénédiction que bon Dieu fait à nous-mêmes aujourd'hui pour le bas nous. Qualité révélation, ça. Son révélation, il est vrai. Son révélation, ça fait me dire pour que nous t'ayons libéré tête nous, pour nous t'ayons lagué à un état de choses que nous t'ayons déjà attendu parce que depuis nous fêtes, ou bien dans le domaine de l'évangile, là, un état de choses que nous apprenons de Lucifer. Nous, qu'on dit, c'était un homme qui était dans le ciel. C'est dans le ciel même, nous dit le théâtre. Que bon Dieu chasse lui. C'est ça, nous dit. Nous, par contre, c'était un homme qui était sur la terre. Dans le jardin d'Éden, dans l'éternité passée. Nous, et ça. Et l'autre bagaille tout, que mettez accent sur lui, c'est toujours dans Genèse 1er, verset 2. Que Frère Paul montre nous, la terre, il n'est pas vide. La terre n'est pas informe. Tout ça, c'est une des questions que Frère Paul posait. Par rapport avec révélation que bon Dieu balé qui montrait pour monter gain quelque chose qui t'est arrivé gon bail qui arrivé et une bagaille tout que moi t'a remé insister c'est parce que Bible a dit Dieu est le père des lumières. Dieu est le père des lumières et bon Dieu lui habiter dans lumière qui inaccessible. Comment bon Dieu t'a fait créer la terre dans ténèbres? Tout ça sont ensemble des questions qui montrait vraiment vrai et bien quelque chose qui t'est passé. Et l'autre bagaille tout que insister c'est parce que Noé lorsque ça arrivait, bon Dieu il est toujours là pour enseigner à Lucifer sagesse qui est infiniment variée. Bon Dieu pas crier la mort comme s'il était connait gon bagaille qui t'a pas arrivé, mais lorsque situation arrivée, circonstance arrivée, et bien il crée quelque chose. Donc Jean Frère Paul montre nous ça, bon Dieu crée la parole comme un outil pour créer toute bagaillette, mais lorsque bon Dieu pour créer la mort qui c'est un outil pour créer pour détruire iniquité, et bien servi avec parole là et parole là même créer un autre outil pour détruire iniquité. Ça sont le bagage que m'apprendre à soi en mystère que m'apprendre encore à soi. Et l'autre bagage tout que moi apprendre à soi c'est un état de choses que nous venons comprendre qui pas trouvé dans l'éternité passée, qui pas venu dans l'éternité à venir, l'éternité qui va venir.
Donc, Frère Paul mentionnait le soleil là, il mentionnait la lune, il mentionnait les étoiles. Et malheureusement, pour me dire même de l'eau qui est en haut dans la tête, il n'y a pas là parce que si dans l'éternité passée, il n'y a pas là, je me dis, est-ce que de l'eau ça y a tout? Il y a là, l'eau qui est en tête. Il n'y a pas là dans l'éternité, il n'y a pas existé. Après ça, l'autre bail que m'insister sur lui, c'est côté qu'on montre nous, la mort était déjà là. Mm-hmm. La mort était déjà là, ou elle dans Genèse 2, verset 8 là, pour montrer pour qui raison même, bon Dieu, les planter l'arbre de vie, pour qui raison, bon Dieu, planter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mm-hmm. Ah, ici, des textes, toutes les auditeurs et téléspectateurs qui ont côté, où est là, il y a l'esprit bon Dieu qui a guidé l'homme de Dieu. Donc, révélation là, oui. Le montre tout dans verset 18 là, 17, Genèse 2, 17 là, bon Dieu, bah, yon commandement, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouais, c'est pas seulement dit, frère Paul dit, mais les montre, les noirs sur blanc dans la Bible, la mort, tu es déjà là. Les montre contre la mort a sorti de la mort déjà, parce que bon Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'autre bagaille tout que m'tap insisté sur lui, bon Dieu, il détruit Lucifer et il détruit iniquité et il détruit Lucifer tout. Ouais. D'après si c'est ça pour chaque grand monde que Lucifer t'a bas un message aujourd'hui parce que faut pas montrer une iniquité c'est tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça bon Dieu pas de créer, ça bon Dieu pas avler, ça pas dans volonté bon Dieu. Puisque ouais comment bon Dieu fait ça? Il détruit Lucifer et l'iniquité à tout, il détruit dans lui. Ou même, faut ta vérifier pour elle si quelque chose c'est iniquité liée, faut ta vérifier pour que au fond changement dans la vie avec émission ça quoi attendre parce que si vous pas fait ça, ouais décision que bon Dieu prend, il détruit non seulement monde il détruit iniquité à tout. Surtout pour bon Dieu détruit iniquité à faut détruit monde qui gagne iniquité. Ouais. Faut que l'idée tue inique là. Mm-hmm. L'organe iniquité ou commettre iniquité, mm-hmm. ou c'est un inique. Mm-hmm. Puisque bon Dieu parle de tuer iniquité, hein, pour bon Dieu détruire iniquité, hein, sans le pata détruire, il faut le tâcher un moyen pour l'extirper iniquité à nous-mêmes. Ouais. Ouais. Mais pas une possibilité pour détruire iniquité, hein, d'après bon Dieu, et pour même pour être vivant. Comme ça, si bon Dieu a détruit iniquité, hein, l'obligé de tuer vase inique là tout. Bon Dieu détruit contenance là, pour le détruire contenance là, faut le détruire contenant. Faire le détruire bouteille là, à tout sac là dedans. Pour m'ta fini, l'autre bagaille tout pour nous tous mettre accent sur lui, nous même cap coûter, cap garder, parce que Lucifer était un projet pour la vie dans le ciel, pour le râler, bon Dieu l'a gâté, lui rater ça, lui rater le bon Dieu, précipiter lui, nous même tout font d'avoir avec nous. On avait connu si bon Dieu la terre, nous même je dis à qui gagne message que nous va venir ciel pour le temps pour l'éternité nous pas gétant arriver nous pas gétant arriver ouais. Personne monde cap jamais gétant arriver dans ciel là mon frère ouais. Parce que si lui s'y fait pas de arriver à toute puissance li gagne ouais il t'a habitué monter dans ciel déjà il pas arriver on pas besoin demander pour les hommes t'a parti sur la terre, qui l'a pas dans le ciel là, surtout les au fin mourir. Eh bien, là, on est drôle, ouais. Complètement drôle. Ouais. C'est pas même du vivant, même avec du vivant, là, quand on technique, on tactique quelque chose, mais c'est le fin mourir ou red dans ce cas, puis c'est ça, on va partir pour aller dans le ciel, côté Lucifer, le grand Lucifer. Ouais. Ouais. C'est pas loin, je m'appelle, ils sont grands, vrai. Ouais. Ouais. Ouais, il était plus sage parce que Daniel. Il mettait le sceau à la perfection dans quand vous montez texte ça. Ah ben, il partit pas arriver parce que projet là contraire à la volonté de Dieu. Alors, disons-le tout de suite, vouloir aller au ciel c'est inique. Oui. C'est un message d'iniquité. Et puis ne pas connaître la puissance de la résurrection, c'est demeurer dans la mort, ouais. Parce que la mort, ça, l'était là depuis avant Adam, t'es là. Et là, nous venons sortir dans Adam, Adam mourit, nous-mêmes nous faisons tout mourir. On nous fait pour ressusciter. Et c'est ça le message que l'Église va nous prêcher. Non. Mais c'est la résurrection. L'Église, par exemple, parlait de la mort.
Je dis là, moi, ce bagage, je ne peux pas comprendre. C'est difficile. Donc là, moi, personne ne peut comprendre le mot. Ouais. Astral n'a pas expliqué. Ouais. Personne ne peut jamais prêcher le message résurrection. Au contraire, dans l'église, il y a quelques pasteurs cités mots seulement. Ouais. Mais immédiatement après, ils sont tombés dans aller dans le ciel là. Non, mon passage dans le ciel. Ouais. D'ailleurs, sinon on passe dans le ciel, on n'avait pas besoin de résurrection. Ouais, message, l'église nous y a. Mais ça étant ça, éliminer la résurrection, mm-hmm. qui c'est une plus grosse promesse, mon Dieu fait, non? Mm-hmm. La promesse de la résurrection. Papi, effectivement, ça, c'est vrai. Parce que pas aucune église, ça qui a la radio, la télévision, il n'a pas mentionné la résurrection. Il a parlé de lui comme une leçon courant. Mais tout à l'heure, on parlait de Lucifer, qui était un projet. Oui, c'était un projet qui était formé avec l'autre ange qui était ensemble avec lui pour investir le trône de Dieu. Mm-hmm. Mais ou de tout ça que bon Dieu pas créé, il baptisait l'iniquité, il déclare que c'est l'iniquité. Oui. Mais ou du bon Dieu, t'es ouais, qualité action, Lucifer, tu as pour le faire, mais bon Dieu prend patience avec elle. Patience, ça, bon Dieu, c'est parce que c'est parce que bon Dieu pensait que Lucifer, tu as pour le changer. Non. Bon Dieu, pas prend patience là, à cause du changement seulement. Bon Dieu, qu'a prend patience avec vous, il connaît ou a changé. Mais, si ou a changé, bon Dieu prend un message de changement. Okay. Mais, bon Dieu, pas prend patience seulement à cause du changement quelque qui a opéré. Bon Dieu, normalement, il est lent à la colère. Ouais. C'est naturel ça. Ouais. Bon Dieu, pas pressé couper tête moun, pressé pété fiel moun. N'a tout dit ça pour un série de chrétiens qui a demandé justice, qui a demandé vengeance. Ouais. Ouais. Qui besoin de coublip là pour bon Dieu tout le monde. Bon Dieu, pas agi comme ça. Même si moun n'a son méchant lié au méchant notoire, Dieu est lent à la colère. Bon, tendez à quoi ces deux questions par nous, c'est un petit pause bon d'après la dedans. Une question. T'as frère Paul t'a parlé dit pour arriver en haut dans le ciel. Quand Antoine bon Dieu, gain de l'eau. Gain de l'eau pour traverser. Gain de l'eau pour traverser, mais de l'eau ça était venir à partir de Lucifer était depuis la Tecrasia de l'eau ça là. Mais les Lucifer étaient qu'on allait côté bon Dieu au dans ciel yo. Pas tant qu'on gagne de l'eau, pas tant qu'on gagne de l'eau. Oui, sont l'autre question m'a posé, oui. Et pas qui moyen il était qu'on allait est-ce que c'est nuage qui compte passer en bas pied. Non aller. Mon cher, Lucifer était gagne possibilité pour. Olé, Lucifer c'est un comment on dit ça? C'est un chérubin protecteur. Un chérubin aux ailes déployées. Un chérubin de 6 ailes. Il y a une image de Lucifer qui n'est pas correct. Lucifer qui a présenté devant tout comme un simple homme. Parce que la Bible a dit qu'il a une capacité pour même déguiser un ange de lumière. Ou quand il y a un monde qui est devant, fait de chair et d'os, et puis pourtant ce n'est pas un monde, c'est Lucifer. Et quand il a métamorphosé, il prend l'image du vrai. Mais à l'origine, Lucifer a 6 ailes. Il y a deux ailes pour couvrir face, deux ailes pour couvrir pied et deux ailes pour le voler. À l'origine. Mais pour aller dans le ciel, là, voler. Même gens, il y a deux ailes qui sont dans le ciel, là, descendent sur la terre. Ils ont volé. Oui. Par exemple, l'ange exterminateur qui était venu dans le Syrien pour tuer mon Dieu, il volait. On s'en est dans le ciel, et puis il volait, il vient là, et puis l'aile paraît devant. Ou ka wè zèl yo nan dòl, ou ka pa wè yo tout. Parce que zèl la fonce la vèl. Et pas tout zèl de rèd kon sa, kon poule. Zèl la fonce la vèl. Si ou wè un poule pour la première fois, pas kon zèl de zèl la. Si ou wè un den pour la première fois, ou pas kon zèl de zèl. Si ou wè un canard pour la première fois, ou ap dou un oiseau. Mais comment pe kon zèl son oiseau? C'est lò wè zèl la. Si vous voulez Lucifer, vous ne pouvez pas connaître le gazelle. Parce que le gazelle fait un seul
avec lui, tant qu'on oiseau, tant qu'on canard, tant qu'on denne, ou on denne, c'est le voler ou à elle te genzel. Si c'est la première fois, elle, ou pas qu'à dire le genzel. Et puis, tout, l'autre question, moi, je m'appelle dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bah ouais côté bon Dieu mentionné que il était créé Lucifer ni tout bah ouais non Lucifer non au pas pour elle au pas pour elle au pas pour lui parce que révélation ça c'est quelque chose que bon Dieu t'a pris le bail à Adam dans le jardin d'Eden mais Lucifer quand est bon Dieu pris le bail information ça il était coupé relation bon Dieu avec Lucifer avec bon Dieu il fait le manger dans pied bois la vie qu'on y a révélation ça, pas gaillé dans le monde. Adam pas connu si gon Lucifer. Adam pas connu si te gon on bête tout le Satan. Non? Et même les anciens, en pile dans mon yo, pas connu si te gon le diable. Si m'dadou Moïse, ka pas connu si te gon le diable. Puis c'est yo pas gain droit. Pour te citer non aucun autre dieu. Ou attendu au palais ou de Moloch. Ça Moloch là. Le diable. Et on parle de Baal, ça Baal là. Le diable. Le diable. Mais on pas de droit citer non aucun autre dieu. Père, non où je vois dans la Bible là qui c'est des noms des dieux. Eh bien, c'est eux-mêmes que les enfants d'Israël te connaissent. Si vous cherchez dans toute Bible, sorti dans Genèse, pour venir dans Malachie, ou qu'à joindre le mot diable écrit maximum 3 fois. Maximum 3 fois. Diable ou Satan. Mais les enfants d'Israël, par exemple, pas de connaître. Tu vas dire le diable. Tu vas te connaître ça. Ou tu as Je te connais le mal. Dans la Bible, là, la plupart du temps, les pour parler du diable, ils parlent du monde, ou bien le diable est similaire à l'homme. La Bible parle de l'esprit de Dieu, le contraire, c'était l'esprit de l'homme. Vous savez, l'homme n'est rien. L'homme n'a rien du tout. Mais, dans la Bible, on ne peut pas avoir le mot diable écrit. Jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est Jésus qui vienne et exposer Diabla, qui vienne livrer Diabla à nous, mais Diabla t'a fait ravage. Mais la plupart du temps, même l'Éternel te relève l'homme. La plupart du temps, il relève Satan, l'homme. Il compare à l'homme. Il n'a pas la Satan, il vient parler avec un homme. Parce que c'était en bas puissance malin. Parce que, notez que, pour qui ça bon Dieu, tu viens choisir Abraham pour le fond nouvelle nation. Parce que tout le monde est dans le diable. Tout le monde net. Tout le monde qui servi diable, ça ne pas connaître. Le bon Dieu vient choisir Abraham pour le fond nouvelle nation. Hein? Le ça, il a gagné toute l'autre nation pour qui ça? Parce que le t'a servi Satan, ça ne pas connaître. Et bon Dieu, pral bay un enseignement qui permet que les hommes viennent comprendre qu'ils ont puissance, qu'ils boumen ensemble avec eux, c'est jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est Jésus qui pral goumen avec Satan dans le désert là. Mais après ça, les hommes, tu as besoin de connaître l'Éternel d'abord. Il faut apprendre le bien avant de connaître le mal. C'est ça que fait dans pied-bois, bon Dieu te mettait le bien et le mal. Qui ça a de ta pas prendre avant? C'est pas le mal. Parce que pour apprendre le mal, si on peut comprendre bien, c'est fait pour faire mal là. Mais pour apprendre le mal par le bien, eh bien, l'on fait bien, hein, ou qu'on le contraire là, c'est le mal. La Bible a dit nous, surmonter le mal. Par le bien. En faisant le bien, ou classer le mal, et pour tout connaître mal là. Et puis, tout le monde, dans Isaïe 45, là, et l'Éternel dit, nous connaissons, dans la Bible, l'Éternel, c'est lumière, pas gain comme des variations dans lui-même.
Mais moi, là, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est ça. Mais c'est lui qui crée toute bagaille. Okay. C'est lui qui crée toute bagaille. Je crée les ténèbres. Dieu a mis les ténèbres dans l'abîme. À l'origine, j'ai mis les ténèbres dans l'abîme. Il a emprisonné les ténèbres dans l'abîme, tracé un cercle à la surface de l'abîme pour que les ténèbres-là ne sortent pas. Il met de l'eau sur lui. Après, il met la terre sur lui. Fait ténèbres à côté, il y a la honte, il n'y a pas de joindre. Si lui s'y fait, il n'y a pas de craser toute bagaille. Pas de ténèbres. Merci, ma vie. Tendez à quoi ces deux, à ce y a encore c'est en pile bagaille. Sous gen oreilles, ou qu'attendez, ou tendez. Sous gen jetou, ou capable ouais, certain que ouais quelque chose. Alors, le temps pour nous recevoir Zanmi nou yo, mais d'abord, on a pris SMS yo, on a fait des références là entre SMS et appel. Sur 36, 29, 77, 79 là. Guillaume Zami qui dit, bonsoir, est-ce que Lucifer est tombé sous la terre physiquement? Sinon, comment toute action ça a été fait arriver juste dans l'abîme, s'il vous plaît? Oui, il est tombé physiquement. Il est tombé physiquement sur la terre. Et avec tombé Lucifer là, il est tombé physiquement, et toute action ça y est, que nous dit qu'il est arrivé tant coup, de l'eau sortie, ténèbres sorti, physiquement il était sorti. L'Éternel a précipité Lucifer dans la fosse. Donc pas pour montrer verset aujourd'hui. La vie navelle demain si Dieu veut. Il est tombé dans la fosse. Mais là Lucifer tombé, là Lucifer tombé, il est tombé tant coup, Jean président a tombé. Là, un président tombé. Pas bon coup d'État. Quelque part, vos président tombé, vous pas un partisan qui mourit. Si vous pas mourir, pas mourir même jour, cap mourir dans la suite, parce qu'il n'y a pas arrêté en fonction maintenant en prison, il y a deux pays, vous arrêté, vous mettez dans la prison, après ça, vous faites. Et ça, exécution sommaire. On simulacre de jugement, vous mettez, vous savez, des gens campés là, vous dites, qui va l'outil dans le gouvernement? Et puis, on dit, bon, ok, vous êtes condamné à la potence, vous êtes condamné à la fusillade pour avoir fait tel bagage, tel bagage. Et puis, même côté avec Zekito. Par exemple, à Cuba, vous faites ça. Dans pile pays, dans l'Amérique latine, non? Le président est tombé, il n'y a pas changer le régime, là, changer le système, il y a fusillé un paquet de monde. Même Jean-Luc Lucifer est tombé, il y a un paquet de gens qui tombent ensemble avec lui. La terre écrasée, là, un coup d'État fait dans le pays d'Haïti, le pays écrasé. On fait longtemps, on ne peut pas acheter manger dans le marché. On fait longtemps, tout le monde ne peut pas aller à l'école. On fait longtemps, on ne peut pas soutenir l'ailleurs, on ne peut pas marcher dans la nuit. Et puis son réforme encore. Ça fait payer ça pour que je ne fasse rien du tout. Parce que trop coup d'État fait là-dedans. Donc ça, ça s'est passé pour la terre. L'autre question. S'il vous plaît, frère Paul, ben y a-t-il lumière sous ciel là? Gen moun qui dit, gen sept ciel. Est-ce que c'est vrai? Après, en deuxième question, on dit que Lucifer précipité dans l'abîme. Ayons-t-il lumière sous Apocalypse 12, verset 10 à verset 12? Apocalypse 12, verset 10 à 12. Ok. Alors, première question, il y a un monde qui dit qu'il y a sept ciels. Je me demande, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si il y a sept ciels. Parce que la Bible va parler de ça. Il est possible qu'il y ait sept ciels. Mais pas de monde non plus qui a montré la Bible qu'il y a sept ciels. Parce que dans toute la Bible, on ne pas jamais, ouais. Chiffre 7 là devant mon ciel là. Mais ça nous connaît. Gagné un homme qui était ravi jusqu'au troisième ciel. Et nous croyons qu'il est capable de gagner trois ciels parce que nous avons image là, nous avons image toi dans la construction du tabernacle. Le tabernacle de Moïse dans le désert.
il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint, et il y avait aussi le parvis. En fait, toi, en figure de toi. Et l'Éternel a fait consulter Tabernacle, il dit, on va faire suivant le modèle que nous démontrons, suivant le modèle du ciel. Parce que ciel-là semblait gagner toi. Nous te ouais tout, lorsque bon Dieu te voulait sauver les habitants du temps de Noé, il fait construire un bateau qui te gagne trois compartiments. Une pour les animaux impurs, une pour les animaux purs et une pour les hommes. Là, nous comprenons que gagne trois ciels. Mais la Bible a parlé tout, quelque part, il dit les cieux des cieux. Je ne sais pas combien. Les cieux des cieux. Il semblait que c'est plusieurs. On ne pas connaît si les cieux des cieux, y compris ciel, ça en tout elle créé, parce que ça la font quatrième que nous connaissons. On ne pas connaît combien ciel qui gagne en réalité. Moun qui dit qu'il y a sept là, faut le tabay en référence. L'autre question, nous dit, on dit que Lucifer précipité dans l'abîme. Alors, j'ai demandé une petite lumière sous Apocalypse 12, le verset 10, à verset 12. Apocalypse 12, verset 10, j'ai demandé ça, Satan fait là. Le verset 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok. L'état est difficile de m'expliquer avec ça, mais on peut expliquer comme à un enfant de 8 ans, c'est-à-dire qu'on sait des détails que nous ne va pas rentrer là-dedans. Ici, nous voyons que gagner une bataille dans l'Apocalypse 12 qui va être faite dans le ciel là. Et puis le diable sera précipité. Ok. Maintenant, précipitation, ça, c'est pas dans le sens de pousser Lucifer, dans le sens physique de la chose, parce que Lucifer est déjà précipité, déjà du ciel. Mais, c'est un accès que Lucifer gagnait. Un accès qu'il gagnait. pour capable présenter le devant bon Dieu. Accès à quel gain, hein? Il prend le perdu lorsque l'épouse de Christ passait monter dans le ciel. Je dis à le gain toujours. Satan accusait les élus de Dieu jour et nuit devant bon Dieu. Comment ça? Nous sommes serviteurs bon Dieu. M'a travail, m'a goumé pour me rester fidèle. Et puis, Lucifer, c'est un rusé que lié. Il est capable de déguiser le même en ange de lumière. Il crée une circonstance, il crée une situation, il pousse me là-dedans et puis il fait me pécher. Bon Dieu, par exemple, ne fait personne me pécher. La Bible a dit Dieu ne tente personne. Maintenant, me péché. Là, on me fait péché. Ça qui arrive de plus grave, c'est pour rester dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Là, Lucifer fin fait péché. Alors, il ne peut pas faire ça pour tout type de chrétien. Mais tel type de chrétien, il a fait ça pour lui sans rester. Là, Lucifer a fin fait péché. Eh bien, il a toujours fait bon Dieu qu'on aime péché. L'a dit bon Dieu, Jean-Paul a péché. Et voilà son péché. Et ce péché-là mérite d'être puni. Il va lui quitter rien passer.
faut que bon Dieu punisse pour péché me faire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Quand il y a punition au bon Dieu pour moi, c'est au bon Dieu tuer. Bon, alors, bon Dieu qui est riche en amour et en miséricorde, après la résurrection de Jésus, bon Dieu fait Lucifer devenir, fait Jésus devenir un avocat. Avocat pour qui ça? Pour plaider ma cause. Lorsque moi-même, je commets un bagage qui mal, en ben, mal côté bon Dieu, je raconte le ça me fait, et puis je demande le pardon. Et puis, à cause de Jésus qui chita à la droite de Dieu, avec ses mains percées et ses pieds, constamment devant bon Dieu, et dit, bon Dieu, voilà, c'est pour lui que j'ai été crucifié. Alors, il mérite le pardon. Et puis, bon Dieu, pape, entre en colère ensemble avec moi, à cause de Jésus que m'y est, qui chita beaucoup de bon Dieu. Oui. Parce que Lucifer, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse les enfants de Dieu. Jour et nuit. Il a continué à faire ça jusqu'à ce que bon Dieu réussisse à joindre un contingent d'hommes et de femmes qui pour former les membres de l'épouse. Et lorsque les membres de l'épouse va passer monter ensemble avec Jésus, c'est ça nous relais, vacabon, passer descendre, monde de bien, passer monter. Maintenant, pour une bataille qui pourrait être faite, et puis le diable n'aura plus sa place. C'est comme tu as dit, un président qui t'a déchu en Haïti. Il déchu, il n'est pas président encore. Mais il a un droit pour le président ou un téléphone. Il a un droit pour le relais, par exemple, il t'a mis un général à terre. Il n'est pas général encore. Mais parce qu'elles sont générales, et qu'elle compte tout ça au monde qui a fait de bien dans l'armée, compte tout ça qui a fait de mal tout, mais il a mis espion pour compte tout ça qui a passé dans l'armée. Et puis lui-même, il a prélé ministre qui est responsable pour l'armée, pour lui dire, mais ça en groupe, en bataille, on fait. Mais ça, tel commando fait. Mais ça, tel commandement fait. Pour le cas affaibli l'armée, lui-même pour le cas fait ça l'affaire. Maintenant, exactement ça, Lucifer fait. Lucifer a essayé d'affaiblir nous, nous-mêmes qui sommes chrétiens, et puis il a dénoncé nous devant bon Dieu. Nous songez, côté Lucifer, malgré le tombé, il n'est pas chef encore, il n'est pas encore. Un jour, l'Éternel a fait réunion dans le ciel. Qui est-ce qui paraît dans la réunion? C'est Lucifer. Il a un droit toujours pour l'aller. Maintenant, l'Éternel parle avec Lucifer et dit, Lucifer, quand on sorti, vous venez là. Il a dit, bon, je viens de parcourir la terre et de m'y promener, parce que c'est toute la terre pour lui. Il a dit, je saute marcher dans le domaine, moi. Je saute parcourir la terre, je saute promener. Maintenant, l'Éternel dit, pendant en bas, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, ah, c'est pour Job, moi, lui. Mais, où est le serviteur vrai, non? C'est le seul monde que bon Dieu te gagne sur la terre à l'époque. Seul grand monde que Dieu gagne sur la terre, c'était Job. Et l'Éternel dit, gardez Job pour vous. Lui droite, lui intègre, lui juste, et le détourner du mal. Satan dit, ah, on dit, ah, c'est vrai, mais pourquoi vous avez Job droite, intègre, juste, détourner du mal? C'est parce que vous protégez, vous ne pouvez pas manger. Ou pas vle m'en. Même un petit cabrit, ou pas vle m'en. M'ta kalam tuye, tout cabrit li yo, ak diare. Mais ou empêche m'fè ça. Ou pas vle m'en, petit li, ou pas vle m'en personne. Ou pas vle m'en yel genyen. Et ça fait l'absèbre là, oui. Qu'on y a, Satan pral accuser Job comme étant yon moun qui se yon hypocrite. Oui. Son accusation pour montrer que Job a servi bon Dieu pour intérêt. C'est parce que bon Dieu pas quitté le moyen cabrit lio, il pas quitté le promoteur, il pas quitté le tuer petit lio qui fait que il continue à servir. Il dit moi me connais pas pour peau. Sous ta bonne autorisation moi-même. Pour mal prendre bien lio, bon garantie que la maudit en face et s'attaque par le consacre l'Éternel. Mais c'est un défi. Qui est-ce qu'elle a cherché là?
pour le perdre Job. Elle dit, bon, si vous comprenez, c'est peut-être chameau, lait, beurre, fromage qui fait Job observer. Bon doigt, moi je prends tout ça. Je prends mouton, je prends cabrit, je prends chameau, je prends serviteur, je prends petit lit, je prends tout bainet. Mais je garantis que je vais prêter droit en son acte. On parie que c'est sur tes jobs sans job pas connaît. Satan, même quand il a plongé, plongé en bas, il a tué tout chameau, tué tout mouton dans l'espace de quelques minutes. Et tu es tout serviteur. Et tu es tout petit job. Yo. Job Chita, côté Job Chita, Satan pour le café Job la plus bien. Tout serviteur, tu es réunion côté, tu es tout serviteur qui t'en sel grain. Il tue tout petit job, qui t'en sel grain serviteur pour une porte nouvelle là. Il tue chameau, il tue mouton, il prend tout bagaille. Et puis, on sel grain serviteur pour une nouvelle là. Côté Job Chita, il prend couillot, tant qu'on coup de poing et une de l'autre. Chaque nouvelle, yo pote Bali, petit li yo mouri. Yo pote nouvelle, chameau yo. Mais Caldeen yo vini yo pren chameau yo. Mais mouton yo ceci. Mais serviteur c'est là. Et puis côté Job Chita, il vini réduit à un rien du tout. Deux mais vide, il pas possédé ni petite, ni jardin, ni brebis, ni chameau, ni un rien du tout. Côté le Chita, il prend tout couyo. Mais il pour le tato font en bail, font stock li mouri. Satan fait ça. Non, seule journée. Job dit, ah, bêtise. Job pas connu si grand monde y aurait le Satan. Il pas connu créature ça même. Il pas connu rien là-dedans. Job dit, l'éternel te ban moi yo. L'éternel prend yo. M'a toujours béni l'ol. Wow, Satan prend un coup terrible. Il prend un coup terrible. L'autre semaine, Satan tourne dans le ciel encore. Il veut côté terre. Elle dit, Satan, quand on sort, il dit, je saute sur la terre. Je saute parcourir dans le domaine moi. Elle dit, est-ce que vous remarquez le serviteur? Il dit, c'est Job, ah, moi, lui, mais. C'est normal. Job connaît que l'homme prend bien lieu, s'il parle l'aide, ou abtouille. Pour les glaces sauver Paul, mon cher. Il dit, ça fait bien, yo. Ouais. Mais même, bon, garantie. Que si vous quittez moi, moyen, job, ma moyen de boue. Et puis, la maudit en face. Le Seigneur dit, mais Satan, qui problème, moi? Mon seul grain de monde sur la terre. Ou persister pour me perdre, j'ai dit. Satan dit, bon, moyen. Ou pas dit, me l'observer, ou? Ou pas dit, me l'y pas intérêt. Elle quitte chameau, passe petit, passe tout le bail, passe. C'est pelle pour patrouiller lui qu'elle fait ça. Elle dit, bon, ok. Si c'est qu'on soit comprenne, ou met à aller, ou met à l'attaquer lui, ou met à manger toute viande sur colis seulement. Pour pas elle doit toucher la ville. Job plonge, et Satan plonge en bas. Il met ton corps fait mal dans le Job, même côté là. Il fait bouton paraît sur Kojob, sur toute fidèle, sur toute colnette. Avant longtemps, c'était des ulcères malins. Dans le langage, Dieu a dit, c'est un cancer. Toute colnette vient ni à pâti sous ta ouais Job, ou après le baguette pour pierre, il baguette pour lèvres pour couvrir d'anni, les autres dents, ou après yeux à petit boule à non, tout à virer sans peau, avec ça, ça couler sous lui. Il prend 110 fait pour le mettre sous lit. Parce que l'air là, l'a blessé l'air là, frappé, blessé. Il mordait ou il vient dit, il met 110 fait. Et puis il gratte, on gratte. Je vais gratter avec piquet de bois. Sa tante a quitté Madame Job et pas de tout. Parce que pas d'elle, mais de parole dans la bouche Madame Job. On vous dit, Job, donne-moi. Vous allez toute la journée, on peut dire béni soit l'éternel. Hein? Mm-hmm. Mais, attendez, non, c'est pour un peuple patouille. Même parole, ça doit te dire. Mm-hmm. Madame Job dit comme ça.
maudit ou fi ou à tout le monde ou fini ou bien on mise ou à passer ou bien on trait ou à passer là ou bien souffrance tout Satan a cherché quatre moun qui étaient bien le job. Toi là d'ailleurs, tes amis job, youn, tes amis messieurs ça, ils menaient au vin pour qu'un bel la foi job, pour prier la foi job, pour dire job ou pas, ouais, péché ou péché trop. C'est trop péché ou comment qu'il faut naître à ça? Bon Dieu, m'a connu, pas d'abord, jamais tu naître à ça. Non? C'est ça, on fait mal. Yo là, nuit et jour, à petit en un job. Pour job, t'as fait un mauvais sang. Et puis job, yo parle de la patience de job. Eh bien, c'était vrai. Job, t'es plus patient parce que tout le monde qui te gagne maintenant. Et m'bakwe, je dis, à bien yon qui a privé dans la piel. Job chita là, il répond yo, il parle, mais il pas chambre maudit bon Dieu. Quand y a le madame, il parle, il dit, hey, ça lié là même. Hein? Qui problème, hein, femme? L'éternel te ba nous lettres, il ba nous fromage, il ba nous jambon, il ba nous tout bagay, nous te gen cabrit, nous te gen mouton, nous te gen tout bagay, laisse nous te béninol. Pour qu'on y a ces mots, yo l'voye, c'est doux l'el voye. Ah ben ça pour nous faire là, il va béni pour nous bénir. C'est comme ça que Job répond, sans que Job pas même connaisse si te gagne, au monde qui te relè Satan qui t'a fait ça. Pour lui, c'est l'éternel qui a fait ça. Mais c'était Lucifer. C'était Satan devenu le diable. Alors, vous pouvez comprendre que Lucifer a accusé les enfants de Dieu jour et nuit. Mais maintenant, c'est lorsque l'épouse de Christ va réussir à former que Lucifer n'est pas capable encore. Et c'est ça, nous lit dans l'Apocalypse, chapitre 2. On ne va pas penser que les amis qui posent des questions comprennent bien ce que nous dit là, mais la répéter plus souvent pour qu'ils comprennent aujourd'hui. Mm-hmm. Attendez à quoi c'est deux. S'il vous plaît, qui ça wonce avec épine nan yé? Oh, ça wonce avec épine nan yé. Piquant. Zeb qui vient piquant. Gagne yon même quand yon le wonce même. On fait, il semble à Cléti, elle charge avec piquant. Il y a des épines, d'un coup, il y a des pieds bois, les acacias par exemple. Oui. Mais nous avons des piquants là-dedans. Nous avons des barons, nous avons des raquettes. On sait que nous pas qu'à manger. Nous avons des piles, nous avons des épines. Ronce là, c'est un pied bois, un pied zèbre, et épines là, c'est un pied bois. Bonsoir panel là, s'il vous plaît, bonne petite explication. Est-ce que tout ça n'a pas existé? Alors, il va dire qui ça? Il dit expliquer mes expressions ça, les wap prêcher au monde ou dit Jésus a vini. Expression ça, dit Jésus a vini? Oui. Tout simple, j'en ai là, Jésus a vini. Lorsque Jésus t'a pris à il dit disciple, m'a vini le cadet. Il m'a béni l'autre côté. Il m'a béni, Jésus a tourné. Il m'a béni pour juger les hommes. Il m'a béni pour établir le royaume non, sur la terre. Il m'a béni. Il y a une autre question. Bonsoir, Panella. Alors, c'est deux hommes qui posent la même question. On peut espérer que tout le monde est branché. Bonsoir, Panella. Il y a une zone côté soleil là, pas jambes couchées. C'est zone Alaska. Moi, je suis venu pour Frère Paul, tu as aidé à comprendre ce qui fait ça. Alaska, le soleil n'a pas jamais couché. La grande zone de soleil n'a pas couché vraiment. Bon, l'autre zone qui pose une question. La zone côté soleil n'a pas couché. Vos amis qui posent une question dans le même sens là. Tout Dakar dit qu'il y a des zones où le soleil n'a pas levé. Ou pas le soleil. Les deux pôles. Ou pas besoin pile soleil là d'ailleurs. À l'époque de l'année, parce que le soleil n'a mis tant l'été. Soleil a arrêté dans le milieu de la Terre, il fait une révolution, il fait une rotation. Rotation, c'est va-et-vient. Hein? Le tout complet, c'est révolution. Maintenant, Bola, qui
y aurait les zones antiques glaciales du sud, le sa zone antique glaciale du nord. Mais bon la glace la pas fond, bon la glace la pas fond. Mais ces derniers temps, nous avons remarqué ça, même en Haïti, le soleil la plus chaud. Ils ont parlé nous tout de réchauffement de la planète, parce que glace qui pas fond là, glace qui pas fond là, qui met la Terre en équilibre. Et comme ça, l'eau qui pas fond là, glace qui pas fond là, fait que la mer a toujours un niveau de sel qui est correct. Mais l'or dépôle ça, commence à fondre. C'est ça qui fait parler nos effets de serre. D'un coup, gaz, ils mettent dans la machine pour air conditionner. Gaz, ils mettent la caille pour air conditionner. D'un coup, des papiers et plastiques. D'un coup, des bols, bah, carrés, ils vont manger. Ils disent, bah, ça, ils causent que l'atmosphère, là, vient détériorer. Et ça fait que l'eau, ça, a fond, gonia. Et l'aide de l'eau à fond, la mer a vint moins salée, bah, elle a gâté sur la terre. L'autre c'est maintenant. Oui. Alors, Guillaume, l'autre ami, c'est dans le même sens là, elle dit, et puis, soleil là, qu'on y a un petit coucher pour 2 heures de temps, les Américains a fêté l'indépendance. Il n'y a pas qu'à péter feu d'artifice parce que toute minuit, le soleil a éclairé. Alors, pour papi, dim, ça fait, bon Dieu, fait ça comme ça, dans la zone. Ça. Américain pas qu'à péter feu d'artifice? Oui, il faisait toute parce minuit. Parce que toute soleil. Minuit, le soleil a éclairé? Oui. Oh. En Haïti, pendant le soleil a éclairé, nous n'a pas péter feu d'artifice. Oui. Bon. Bah, on connaît ça. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Mais l'indépendance américaine, c'est en juillet, là, oui. Hein? L'indépendance américaine, c'est en juillet. Pas de côté aux États-Unis. En juillet, pas de soleil. Pas de soleil. Alors, on dit toute minuit, le soleil a clair. Non, il n'est pas vrai. Pas aucun soleil. Si on monte de ça, et non, je vais te la passer. Par aucun côté, toute minuit, le soleil a éclairé. Non. C'est pas vrai. Ok. Ça n'a pas existé. Quand les amis ont pris le maître et mettre lui là, ouais. Par aucun côté, à minuit, le soleil a éclairé. Ça, c'est mon cap à la pile. Peut-être qu'il y a quelques gens qui sont aux États-Unis, qui viennent là, qui ont besoin de grandir, réunir l'histoire pour raconter belle 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 dans le pays étranger. Mais le soleil a éclairé toute minuit. Ils mettent tout et mettent les côtés au fin de balil là. Relais mounan, remettre la ferie. Parce que aux États-Unis, c'est le 4 juillet au fait de l'indépendance. Si vous avez besoin de tirer feu d'artifice, il y a un petit feu d'artifice bien à l'aise. Avant nous tirer, nous quand tirer feu d'artifice en Haïti, ça peut empêcher de tirer. Papa, s'il y a un soleil, feu d'artifice, donc elle va tirer la nuit, nous la tirer la journée. Parce que en pile fait d'artifice, nous avons tiré ou tiré la journée. Tu as dit qui toujours fête plus d'étoiles en décembre. Oui. Il a fêté Noël toute journée, tu m'as fêté à pété plus d'étoiles. Ah. Mon nom, quand il prend bas, ça le mettre. Après des Américains en Alaska, soleil, pas me coucher. Ou bien à midi, à minuit, soleil a éclairé. Aux États-Unis, non. Je ne connais pas l'autre pays, mais les États-Unis ont mal, ils ont pile l'État aux États-Unis. Je connais les États-Unis. Ça n'existe pas. Bonsoir, Foul Gaspel. Qui est-ce même qui t'a créé Iniquité à, ou bien qui origine lui? Iniquité n'a pas créé. Iniquité a été tout simplement poussé. C'est une idée, j'aime un tableau bien écouté, nous, la première nous dit. C'est on l'idée Lucifer gagne en tête lui. Ouais. Par exemple, je dis à, nous t'a demandé qui est ce monde qui crée tout le monde. Qui est ce qui crée tout le monde? Eh bien, le premier monde qui était tout le monde, c'était Caïn qui était tout Abel. Et après ça, un petit Caïn tout le monde, et ainsi de suite.
tout le monde vient répondre sur la terre. L'iniquité, c'est des bagailles qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est bon, bah, il a créé. Mais si vous levez là, ou dites comme ça, vous prenez deux petits madames pour être ensemble avec eux, vous laissez ça, iniquité. C'est bon, bah, vous créez, c'est un mal qu'on fait, son action qu'on pose. Lucifer formé un plan pour aller le bon Dieu la gâter, pour prendre place là, c'est ça créé. Iniquité. Il n'y a pas un monde qui a créé l'iniquité. L'iniquité n'a pas créé. C'est une idée, un projet qui est contraire à la volonté de Dieu. Il n'y a pas pris nos amis sur 36-29 là. Est-ce qu'il y a nos amis sur 36-29, 77-79? On dit qu'il n'y a pas pris nos amis. J'ai une autre question, mes amis m'ont dit, salut frère Paul, je remercie vous parce que vous faites clair, vous n'avez pas qu'à vivre dans le ciel, parce que ce n'est pas de plan bon Dieu. Qu'il est même, nous va commencer à vivre avec Jésus. Qu'il est même commencer à vivre avec Jésus. Alors Jésus descend sur la terre. Jésus a descendu, vient nous joindre nous, sur la terre. Et puis, on a commencé à vivre ensemble avec elle. Et on a passé 1000 ans comme ça. Et après 1000 ans, Jésus, après mettre le royaume dans le bail, bon Dieu papa, mais Jésus a toujours été sur la terre ensemble avec nous pendant l'éternité. Amen. Alors, mes amis, vous voyez, nous, c'est dans Florida, moyé, dans Alaska, soleil a toujours levé là. Et pas sur les liwer. Et pas sur les liwer. Parce que si le soleil a toujours levé là, comment moi me fait gagner le soleil couché bon ici? Alors que le soleil a passé en Alaska pour aller de l'autre côté pour le tourner venir joindre moi. Oui. Ça, ça, c'est un meilleur, et pas soleil. Et bien, si j'ai mis un dit en Floride. J'ai mis un dit en Floride. Il n'est pas trop correct. Non? Floride, c'est tout près de nous là. Oui, oui, tout près de nous là. Dès que le soleil apparaît là, le penché là, il n'est pas même. La couche est sur Floride rapidement. À 2 heures, à 1h30 d'avion, d'Haïti, en Floride, est tombé. Oui. Jamais à jouer, la passer mon bêtise. Vous avez un ballon non, ballon qui roule rété, ballon non roule à appartement côté de nous pas la caille. Et frère Philippe, on a le soleil là qui pas jamais. Il va jamais coucher. Il est toujours levé côté là. Oui. Attendez à quoi c'est 2 76 29 77 79 là. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, frère. De la Genèse, au lieu de 26, côté, moi, je dis, en aucun nom. Quand j'ai reconnu à la parole de la création. Il est fini, le bon Dieu, Lucifer pas travaille face mon Dieu. D'accord, merci. D'accord, merci pour l'attention. Bon, alors, je vais nous faire fait paraître sur l'émission parce que nous t'ai parlé de ça déjà. Première question que vous avez, c'est... En Genèse 1er, verset 26. Les Dieu dit... Non, parce que nous répondons à une question ça trois fois déjà. Oui. Il dit à qui hier au soir, nous parlons de ça. Il y a ce qu'on a à l'air, nous parlons de ça. Mais amis, nous avons beaucoup... Il y a peine une émission, ou bien l'écouter sans le pas attendre.
Le bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, à qui est-ce qu'il t'a parlé? Question que le monde pose, on pose des questions ça souvent, à qui est-ce qu'il t'a parlé? Il t'a parlé à la tête. C'est lui seul qui peut le faire. Il n'a pas bien l'autre Dieu avec lui. Bon, il dit qu'il n'a pas Dieu près de lui, il n'a pas Dieu avant lui, il n'a pas Dieu autour de lui, il n'a pas Dieu avec lui, il n'a pas Dieu après lui. La tête, il t'a parlé. Mais nous comprenons que c'est le pluriel, nous dit. Oui. Que tout le monde vous a représenté, c'est le pluriel de la politesse. Faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Nous pas sembler avec toi, Dieu. Nous sembler avec un seul Dieu. Et il y a un seul Dieu qui n'est pas en toi personne, mais qui est en une seule personne. D'ailleurs, là, mon Dieu t'a fait l'homme, à qui mon boule t'a parlé? C'est avec la parole, c'est la parole qui t'a fait les choses. Il t'a parlé avec le ciel. Parce que ciel là, c'est une créature là-dedans. Il était capable avec Adam, parce que Adam était dans mon Dieu. Il était capable avec les animaux, il était capable avec toute création qu'il fait. Hein? Oui, c'est possible, mais c'était surtout un pluriel de politesse. Puisque Dieu n'est pas seul, il a fait quelque chose, il n'a pas qu'à dire je constamment, il dit nous. Donc là, bagarre tout nous même ça à bon côté et puis vous me dit je et puis vous me dit map là demain soir encore hein me dit map là demain soir encore ça dit nous à plat demain soir encore il est possible que nous n'en nous pas là côté de là m'a dit que c'est une émission qui sorti dans l'église de Jésus-Christ pour le gospel nous t'ai préparé émission ça pour vous. Ça veut dire, l'église de l'Église, il doit y avoir 5 000 personnes là-dedans. Et puis, c'est peut-être 10 personnes, 15 personnes qui connaissent l'émission ça à fait là, comment le préparer. On nous dit, nous te préparer. L'église de l'Église te préparer l'émission ça pour vous. Alors, la plupart du temps, la Bible a dit, nous, si elle l'a fait, elle bagarre, qui est-ce qui fait? Bon Dieu. Bon Dieu qui fait. À qui est-ce que tu as parlé? Je pense que ça, quand on entre dans la tête du monde, il y a ça le pluriel de la politesse. Il y a un gouvernement, il y a un président, il y a un premier ministre qui dit, moi fais pour ça, c'est un monde qui va éduquer. Il y a un premier ministre qui dit, moi mettez l'école dans le pays, il va éduquer. Et vous le dites, nous. Parce que, il y a une contribution. En fait, ouais, bon Dieu, il a fait les choses, mais il y a une contribution. Bon Dieu, il y a une contribution parce qu'avec lui, il y a la parole. Oui. Il a déjà créé les anges. Vous pensez que le bon Dieu a créé la terre, il a préféré la terre, les anges qui ont abdomé dans le ciel là? Non? Vous êtes content? Et puis, il a suivi ce que ça bon Dieu a fait. Et vous êtes là, à assister ce que bon Dieu a fait. Ainsi, bon Dieu a gagné la politesse pour lui dire allons, descendons et confondons leur langage. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Mais ouais, après ça, il dit « je ». On veut dire « il n'y a pas de monde avec lui ». Nos bouquets disent ça. Personne n'a pas prouvé nous qu'il était comme l'autre Dieu qui est ensemble avec. Il y a un monde qui dit nous, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui a fait les choses. Ils sont ensemble avec mon Dieu. Alors, par contre, Dieu est Dieu le Fils. Toute Bible va montrer qu'il est mon Dieu, qui est le Fils. Toute Bible va montrer que mon Dieu a créé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et c'est tout. Une autre question, bonsoir. Je vais mettre une autre question avec ça. Il était dit comme Lucifer, nous dit dans le discours, Lucifer, pas trouver face bon Dieu. Et il apprend tout, Zangio, par face bon Dieu. Il était bien demandé, est-ce que 24 vieillards, les 4 êtres vivants, par le bon Dieu, ou bien est-ce que c'est seulement Jésus qui veut faire le bon Dieu? Bible a dit, tout simplement, je ne vais pas faire littérature, Bible a dit que
n'a servi un Dieu qui est invisible. La Bible a dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Personne ne dit personne. On sait le monde qui dit well. Et c'est le café qu'on a mis. Oui. Non, c'est Jésus. Oui. Lucifer pas ouais face bon Dieu. Les 24 vieillards, ils n'ont pas ouais la face de Dieu. Pourtant, si mon Dieu est prophète, ils ont ouais face bon Dieu. Si mon Dieu est prophète, ils ont ouais bon Dieu. Si mon Dieu est innocent, qui ne peut pas pécher, l'autre même qui est dans le ciel là, ouais bon Dieu constamment. Personne n'a jamais vu Dieu. Le seul monde qui dit, la Bible a dit, non, c'est Jésus. Bonsoir, Panelicio. M'a écouté nous, Caradeux. Est-ce que parmi les anges qui étaient avec Lucifer, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec elle? Si oui, qui côté les anges ça y est? La guerre. Tout net. Les noms, les Bibles, nous voyons que les anges qui étaient déchus, les anges qui étaient tombés, qui étaient d'accord avec Lucifer, tous les anges qui étaient en bas, l'ordre sur la tête étaient tombés, et même des anges qui étaient dans le ciel là, tout, étaient tombés. Et ils ont évalué à un tiers des anges. Un tiers des anges que bon Dieu t'a créé. Et ils ont en pile. Parce que les anges, bon Dieu, t'es créé, c'est des myriades de myriades. C'est un chiffre qui passe chiffre les hommes. Et ça que t'es déçu, un tiers des étoiles qui peuvent tomber, chasser sur la terre avec Lucifer, eh bien, vous représentez des myriades de myriades. Ce n'est pas des millions, ce n'est pas des milliards, mais c'est des myriades de myriades. Pas un ange qui pas très belé, il est tout net. Tendez à quoi ces deux, moi salue nous toutes. Tant pis, dis-moi si c'est pas de ça. Alors si c'est pas de ça, Lucifer Jean Moya, si bon Dieu pas de joindre iniquité la Kaeli, pas ta gain parole là qui t'a vin Jésus. Si tout bon Dieu l'elle te crié, l'elle te mette anges au service, li te karrivé, yon le, que l'elle ta ka héritier la terre comme héritage li, qui sa ne pense de ça, s'il vous plaît. Au cas où elle lit ça, nous encore, un petit peu plus clair. Alors, moi salue nous toutes, tant prie, dis-moi si c'est pas de ça. Lucifer, Jean Moya, si bon Dieu, pas de joindre iniquité la Kaeli, pas de bien parole li, alors pas de bien parole là, qui tape vin Jésus. Si bon Dieu, pas de joindre iniquité la Kaeli, Lucifer, pas de bien parole là, qui tape vin Jésus. Si tout bon Dieu, l'elle te créé, l'elle te mette anges au service li, te karrivé yon lè, que ta ka héritier la terre comme héritage li. Qui ça ne pensait de ça, s'il vous plaît? Lucifer, pas d'abord, j'aime hériter la terre. Il a toujours été sur la terre. L'homme tape sous la terre et l'homme tape commandé Lucifer. L'homme tape commandé Lucifer. Lucifer serait des serviteurs avec ses anges au service de l'homme. Pas t'as besoin de gagner la parole de Dieu qui t'a béni Jésus, ça c'est clair. La parole de Dieu resterait la parole de Dieu. Maintenant, lorsque la parole de Dieu vient devenir Jésus, c'est à cause de la perte, à cause du péché de l'homme, à cause de la déchéance de l'homme, que bon Dieu consentit pour faire parole lui devenir un homme. Pour un homme, ça vient de mourir, vient de passer misère. Plan ça, bon Dieu, pas de café en premier lieu. Pas de café en premier lieu. Circonstance, vient obliger de faire ça.
li vin fè parole la deveni yon homme. Mais autrement, le moment venu, bon Dieu t'a créé sur la terre pas des hommes. Bon Dieu t'a mis des hommes sur la terre. Il t'a mis des fils de Dieu sur la terre. T'a gagné des êtres sur la terre qui pas t'a jamais des hommes parce que l'homme pas vaut rien du tout. Là nous va dans le royaume de Dieu pendant 1000 ans. Après le règne millénaire, nous sommes des hommes encore. Nous sommes des fils de Dieu. Il me l'a dit non. Les justes, en ce temps-là, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Nous sommes des hommes encore. Parce que l'homme, rien, c'est rien du tout. L'homme vous l'a dit, rien du tout. L'homme, c'est la chair. Et l'Éternel dit, l'homme n'est que chair, et mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. L'homme, c'est vanité. Vanité des vanités. Vanité, le fils de l'homme. Mensonge, le fils de l'homme. Le fils de l'homme, pas menteur seulement, non? C'est mensonge. C'est mensonge. C'est mensonge lui-même. Le fils de l'homme, pas vaniteux, mais le fils de l'homme, c'est vanité. Vanité. Des vanités. David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'inférieur à toute bagaille. Il n'y a aucune valeur. Voilà pourquoi, c'est ça que fait, nous, gagner un homme pour nous bâtir, quelque chose qui est pour nous. Quelque chose qui est pour nous, de la valeur. Quelque chose qui est pour nous, de la valeur. C'est ça que les noms, non? Ça n'a pas construit, hein? Qui prend le banon en certaines valeurs, qui prend le faire bon Dieu, pour le ressusciter, non? Et puis, maintenant, pour nous vivre sur une nouvelle terre. Parce que terre, ça, nous, là, depuis le Lucifer, depuis une crasé, là, terre, c'est vanité. Terre, vient pas beau. Rien. C'est ça que fait à la création de l'homme. Avant bon Dieu créer l'homme, ouais, bon Dieu mettait toute qualité plante sur la terre. Et toute qualité plante, ça y a chaque gain un effet qui a produit. Les trois quarts de plantes qui existaient sur la terre, ils sont porteurs de un médicament pour guérir l'homme. Pour transformer l'homme. Pour fortifier l'homme. Pour maintenir l'homme en vie, parce que l'homme est né. La création de l'homme, c'est une création qui est à base de faiblesse, à base de vanité, parce que pour si elle a été bon Dieu, point pour le faire l'homme, non, t'es déjà pas de bon. T'es bon Dieu, faire l'homme, non, t'es déjà tout une malédiction là-dedans. Parce que la mort est déjà là. Avec la chute de Lucifer, les maladies viennent. Faiblesse est venue, la mort est venue. Tout ça mal sous la terre, avec la chute de Lucifer, toute bagaille ça est venue. C'est ça que fait, ou capable de gagner un ventre fait mal, et puis qu'on zeb dans la géa. L'homme zeb ça, il calme votre fait mal. De pas avant, bon Dieu fait l'homme, il mettait plante ça, il mettait médicament ça, il mettait qui ça pour manger, qui ça pour vivre. Sur la terre. Mais autrement, si Lucifer n'a pas de comète, saleté comète là, les bon Dieu t'a le mettre sur la terre, ce n'est pas des hommes que t'a mis, mais c'est des dieux. Il t'a mis des fils de Dieu sur la terre. Et c'est à ça nous destiner pour nous devenir plus tard des fils de Dieu. Vous voyez, ça, c'est un mystère qui est extraordinaire, mais nous pensons que l'esprit de l'intelligence a fait tout pour nous comprendre. Si nous avons compris, nous avons compris. Monsieur, nous avons un dernier appel sur 36, 29 ans. Bah, quoi, j'ai un appel? Nous avons un appel. Tenez à quoi c'est de bonsoir? Allô?
Oui, bonsoir et bienvenue. On ca fond s'éloigne du récepteur, non? On dit qu'on t'y déplace pour le récepteur, pour qu'on attende nous. Merci. Okay. Comment on a fait pour conserver le cœur pur? Comment on a fait pour le bâtir au nom? Bâtir au nom. Bon. Bible a un moyen qui est simple, mais difficile. Tout. Il n'est pas compliqué, non? Mais il est difficile. Ézéchiel, chapitre 36. Mes amis, pour l'avancement avec nous, on livre ça. Est-ce que ça me dit, c'est ça, Ézéchiel 36? Oui, c'est Ézéchiel 36. À partir du verset 25. Oui, m'appelez à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Attendez, oui, amis. Mais comment pour faire pour cœur capable pur? L'Éternel dit, m'a prépare sur vous une eau pure, c'est sous quoi vous, et vous purifiez. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. M'a purifié de toute saleté que vous avez en vous-même et de toutes idoles, toutes bagailles qui attachées à vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Pour cœur pur, faut que bon Dieu bah un cœur nouveau. C'est une opération que bon Dieu peut faire pour vous. Les cafés gros la journée, les cafés pendant à manger, pendant à boire, pendant à la prière, pendant à adorer bon Dieu, les cafés pendant à dormir, les cafés n'importe les. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est bon Dieu qui a baroule. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bon Dieu a baroule l'esprit nouveau, c'est pas le Saint-Esprit non? La baroule l'esprit nouveau, on l'esprit qui a pour venir l'autre monde. Ou pour le comprendre en l'autre genre, ou pour le parler en l'autre genre, ou pour le réagir en l'autre genre, grâce à un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ah oui, pendant que vous dormez, bonjour, pendant que vous dansez, bonjour, et puis zip, vous allez retirer le cœur qui sont cœur roche, et puis le barou, le cœur de chair. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Qu'on y a? T'as d'abord l'esprit nouveau, t'as pas venu l'autre garçon. Mais qu'on y a la mettre l'esprit pâle dans où? Ou est-ce qu'on va processus la fait? D'abord, la vidéo de l'eau pure sous pour qu'elle vérifie. La bas où il y a un nouveau cœur. La bas où il y a un cœur nouveau. Et puis, la bas où l'esprit nouveau. Oui. Après ça, la vie nous était que ça a été bas où. Oui, c'est pas bon. Hein? Que les chairs. Hein? Que ça a été guerre. Mais la bas où un cœur de chair. Je mettrai mon esprit la en vous. L'esprit parle sur vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Et la camper Bokoto pour le cas aider vous pour suivre ordonnances liées. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Observez et vous pratiquez loi bon Dieu. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Bon. Alors vous là pour camper là. Mais comment le Seigneur va faire ça? Pour le mettre cœur guerre. Pour laver la pour opération chirurgicale pour vous. La laver, nous venons dans la médecine, mais on va opérer le monde, il faut toujours laver le monde. Toujours laver le monde. Laver-le, surtout, si côté on va opérer la guerre des poils, il faut raser les poils, ben, pour le monde qui est pur, pour ne pas avoir aucune bactérie, aucune bacille qui, dans la zone, ou désinfecter le monde, pour que les microbes qui se collent ne pas entrer dans la blessure là. Parce que mon n'a fait infection. C'est ça l'Éternel va le faire. D'abord, la laver. La purifier de toute souillure, de toutes idoles. Après ça, la barou, au cœur de chair, au cœur nouveau. Après ça, la barou, Saint-Esprit, li, qui va permettre de faire ça. Et puis, c'est comme ça qu'on va bâtir un homme. Parce que tout ce qui joint dans l'esprit qui est bon, on peut le faire avec corps. C'est avec corps qu'on va battre un caille pour retour, pas besoin de voir le caille. C'est avec main, avec corps, ou travail pour faire l'argent, pour les voler l'argent. C'est avec main, avec pied, avec tout corps, qu'on va adorer bon Dieu, ou marcher pour l'église,
Oui, ben l'église va pétager nous pour prier, on va ouvrir bouche pour chanter, et puis on va faire toute bagaille qui est bon avec corps, et puis laisser au bâti un homme qui est correct. Parce que l'homme là, c'est où pour bâtir, pour faire venir un bon homme, et bon Dieu va dire, ça, on te contribue là-dedans pour travailler, m'a sauvé. Et le bon Dieu a sauvé un homme, il sauve l'homme là à tout corps, à tout l'esprit. Pas aucun homme qui passe dans le ciel. Bon Dieu va pas le sauver aucun homme sans corps, parce que nous devenons une âme. L'homme devint une âme vivante. Tendez à quoi ces deux. Tendez à quoi ces deux. Revenons à la thème série sa poissonne. Nous bénis bon Dieu parce que il y a pile profondeur. Il y a pile profondeur parce que. Vous nous avez parlé de résurrection, effectivement, le monde n'a pas qu'on résurrection, pas qu'elle parle de livre. Non. Parce que la résurrection, par définition, qui veut dire le sorti vivant dans la mort, faut aller où est la mort sorti. Voilà. Et c'est seulement ça que nous avons essayé de montrer à ceux qui bon la mort sorti, et bien qui fait nous baser tout le temps. Il faut comprendre ça que la mort. Oui, il faut comprendre la mort pour comprendre la résurrection. Et ça amène encore à comprendre quelque chose. Dernièrement, nous parlons de. Qui est Jésus? Nous parlons de qui est l'Éternel. Le dernier, ça nous dit pour nous, c'est qui est Lucifer? Sans que nous ne disions pas de sujet à ça, mais en quelque sorte, nous avons connaissance de lui, pour nous mieux armer. Qui est le diable? Oui, pour nous continuer à marcher avec bon Dieu normalement. Il y a pile connaissance qui baille. Si Adam est un connaît ça, il ne va pas tomber. Et normalement, pour nous servir bon Dieu, bon Dieu était bien conditionné ça dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal là pour nous servir bon Dieu faut qu'on ait contradicteur à tout faut qu'on ait ennemi bon Dieu pour pas faire balader je ferme pour comprendre son jouet lié avec pour ça nous comprendre que l'amour qui bol sorti et vraiment c'est une autre révélation c'est un paquet de bénédictions ça permet tout le monde exempter l'amour parce qu'on connaît ça qu'a bol l'amour c'est une iniquité de voir faire balader qui passe selon la volonté de Dieu et dans l'amour voilà. Alors, un gros merci à chaque ami dans le panel. Là. Merci. Alors, on a remercié tous les amis qui t'ont suivi nous pendant l'émission. Ça. Tous les amis qui t'ont voulu poser nous une question. Nous pensons qu'en pile bagaille que nous dit là, que les amis ont besoin de prendre du temps dans la sagesse avant de poser nos questions parce que vous comprenez dans la vie même. On a répété encore. Vous comprenez parce que moi-même, le premier temps à prendre ça, je prends du temps. Parce que. Moi, de mon côté, je me sentais perdu. Je me suis dit que je suis collé parce que j'ai tellement de choses que je apprends déjà. Mais je me souligne pour que vous n'avez pas besoin d'un chef dans la religion qui vous parle de la mort. Vous ne pouvez pas s'allier. Vous ne pouvez pas de résurrection non plus. C'est ça que vous dites. Depuis que nous mourons, nous passons dans le ciel. Là. C'est parce que vous ne connaissez pas la résurrection. Hein. Qui s'allier quand la résurrection est sortie. Pour qui ça va ressusciter? Comment on a fait pour ressusciter ou pas? Alors, Méni, la connaissance est arrivée chez nous, dans l'île d'Haïti. Amen. Et par le biais de Tendez à quoi? C'est deux. On a fait deux ça, une fois seul. Nous avons fait Tendez à avec quoi à faire un seul. Maintenant, Tendez à quoi? C'était toujours deux. Maintenant, qu'on y a dans le travail, pour nous faire Tendez à quoi faire un seul. Mais en attendant, l'émission à suivre là, c'est Tendez à quoi? C'est deux. Alors, chers amis, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Depuis l'émission a été commencée pour arriver dans le ça. Nous disons bienvenue encore une fois de plus. Depuis jeudi à pour demain, pour l'autre épisode, pour nous expliquer plus bien ça nous a dit là. Parce que nous n'avons pas d'intention pour vider connaissance à la tête comme nous avons fait Katafal Gagan. Mais c'est compréhension que nous voulons rejoindre. Alors nous restons pour nous dire. Tendez à quoi? C'est deux. Si bon Dieu a terminé dans la chair, pour une mission bien spéciale, il était bien préparé pour job ça. Un jour la mission sous la terre.
yo arrêté, yo battu, yo craché dans la figure. Yo cloué la mi-temps de voler. Mais t'as accepté tout ça. Et sauver l'humanité. Soufflet non figuili. En pile coup de fouet sous de lit. Yon couan piquant sous tête lit. Sauver l'humanité. Le temps baigné dans boubier péché, yeah. Justice bon Dieu t'es réclamé. Yon juste sans péché. Sauvez-y péché. Le temps baigné dans boubier péché. Justice mon Dieu t'es réclamé. Soyons juste, yon juste sans péché. Pour sauver nous qui péchons. Il t'est venu. Le Messie. Ça veut dire si la ça t'a qu'un envie de sauver le monde. Et c'est pour ça qu'elle devine sous la terre. On s'affle Maxime, Zamim, Cap Gade, Cap Côté. Christ là te prend place dans la mort. Je n'ai pas besoin de place pâle dans la vie. Parce que c'est pour ça qu'elle devine. N'importe qui mounouye, vini tout ça dans yé. Thank you.